السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا وبياكم en cette soirée du mercredi 10 Muharram 1430, ce qui correspond à 1430 de l'Hégire, ce qui correspond au 7 janvier 2009 d'après le calendrier chrétien. Nous sommes toujours dans la personnalité de la musulmane. Et nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui dans le 47e cours, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Le titre d'aujourd'hui, ce sont les règles relatives à l'accès chez autrui. Vous écrivez règles relatives à l'accès chez autrui. La fois passée, hein, pour réviser juste un peu, on avait parlé des règles relatives à la salutation. Comment ça se passe, l'islam, le salut et la salutation en islam. Et on a donné tous les détails qui ont rapport avec la salutation en islam. Là, nous avons fait remarquer que quoi? Entre autres que même la sœur, puisque ce sont des cours particulièrement adressés aux sœurs, que même la sœur, quand elle rencontre la sœur, la sunna, ce n'est pas de lui faire la bise, mais de lui serrer la main. Car si elle lui serre la main, comme a dit le messager d'Allah, les péchés commencent à tomber, comme les feuilles tombent de l'arbre, jusqu'à ce que ça soit l'un des deux qui enlève le premier sa main. Naam. Si cela fait longtemps qu'elle ne l'a pas vu, et après l'avoir, lui avoir tendu la main, ou elle l'enlace directement, c'est possible aussi, naam, vu que il est de la sunna, quand les gens se rencontrent et ne se sont pas vus depuis longtemps, comme ils viennent par exemple d'un voyage ou là, de s'enlacer. Naam. Pour terminer dans la révision, je ne sais pas si j'ai dit que si jamais quelqu'un rentre dans une maison, par exemple dans sa maison là, et qu'il ne trouve personne à l'intérieur, il est de la sunna, d'après le hadith de Abdullah ibn Omar, qui se trouve dans Fath al-Bari, et Ibn Hajr a dit Hassan, ou bien il a dit authentique, c'est moi qui ai oublié. Il a dit quoi? Il a dit que Abdullah ibn Omar, quand il rentrait dans une maison, il a dit que c'est de la sunna de dire Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, même s'il n'y a personne dans une maison. Quand on rentre, on ouvre la clé, il n'y a personne, qu'est-ce qu'on dit? Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Donc le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ce sont les règles relatives à l'accès chez autrui. Je crois que personne n'a écrit le titre. Je vais donc écrire une seconde le titre. Je vais essayer d'écrire en rouge, Inch'Allah. Ensuite, je vais le mettre sur l'inspeak. Règles relatives à l'accès chez autrui. Les règles relatives à l'accès chez autrui. Alhamdoulilah, c'est écrit dans la robe. Attendez une seconde, j'enlève le point rouge ici à partout. Je vois qu'il n'y a personne qui me suit. Une musulmane imprégnée des principes de l'islam, n'accède jamais à une maison autre que la sienne. N'accède jamais à une maison autre que la sienne sans y être autorisé et sans prononcer la salutation. Je répète,
qu'une musulmane imprégnée des principes de l'islam n'accède jamais à une maison autre que la sienne sans y être autorisée, premièrement, et sans prononcer la salutation, deuxièmement. Demander à cette occasion la permission d'accès est un devoir qu'on ne doit en aucun cas négliger, car il s'agit d'un ordre décrété par Allah Azza wa Jal qui a dit: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Au croyant, n'entrez pas dans فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. Si vous n'y trouvez personne, alors n'y entrez pas avant que la permission ne vous soit donnée. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ مُرْجِعُوا فَرْجِعُوا. Et si on vous dit retournez, alors retournez. Subhanallah al-Azim. Surat al-Nur, verset 27-28. Il a dit, Allah Azza wa Jalla aussi, quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent permission avant d'entrer, comme le font déjà leurs aînés. Nah. Coran 24, surat al-Nur toujours, 59. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ. Donc Allah Ta'ala a bien montré dans ces deux versets deux choses très importantes, qu'on n'a pas le droit d'entrer dans une maison sans qu'on ait d'abord la permission d'entrer et ensuite sans qu'on ait salué avant d'entrer. Ensuite il a dit, parlant des enfants, quand les enfants atteignent l'âge de la puberté, qu'ils demandent permission avant d'entrer. Non, avant d'entrer où? Avant d'entrer dans la chambre, entrer dans la chambre où sont, par exemple, les parents. C'est pour ça qu'il a dit, il y a trois moments où c'est interdit d'entrer, et avant d'entrer, qu'il demande la permission. Il a dit, lorsque c'est avant Salat al-Fajr, et lorsque vous enlevez vos vêtements, ça, après Salat al-Dhuhr, pour dormir un peu la sieste, et après Salat al-Isha, et après Salat al-Isha. Cela n'implique pas que le seul fait de demander l'autorisation d'accès permette à la femme d'entrer dans n'importe quelle maison. Il est à préciser qu'il ne lui est permis d'accéder qu'à des maisons où il y a des femmes ou des hommes qu'elle a le droit de côtoyer, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas étrangers. Cette règle s'applique d'ailleurs également à l'homme, et ce, en raison du principe islamique qui interdit à l'homme de s'isoler avec une femme qui lui est licite en mariage, comme il l'interdit d'ailleurs à la femme. Ce point étant précisé, notons aussi que l'islam a institué un nombre de règles relatives à l'autorisation d'accès que toute musulmane se doit de respecter à chaque fois qu'elle se rend chez une autre personne. Quelles sont ces règles? Inch'Allah Ta'ala, on va les résumer dans, Inch'Allah Ta'ala, quatre règles. Premièrement, après avoir frappé à la porte, la musulmane ne doit pas se tenir en face de la porte. C'est très important. La musulmane, le musulman aussi. Quand on frappe à la porte, on ne doit pas se tenir en face de la porte. Elle doit plutôt se retirer vers la droite ou vers la gauche. Abdullah ibn Busr, qu'Allah Azza wa Jalla agréé, a dit: quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approchait d'une porte pour demander aux gens de la maison la permission d'y entrer, il ne se mettait pas en face, mais sur la droite ou sur la gauche. Si on lui permettait d'entrer, il entrait. Sinon, il repartait. Hadith rapporté par Al-Bukhari dans Adab Mufrad, volume 2, page 153, hadith authentique. Donc, la première règle, c'est quoi? Après avoir frappé à la porte, la musulmane ne doit pas se tenir en face de la porte, mais elle se met ou bien à droite ou bien à gauche, pas en face. Pourquoi? L'objectif de cette règle, est-ce qu'il y a quelque chose en islam qui se fait comme ça sans savoir pourquoi, sans qu'on connaisse la sagesse? Non, c'est impossible, même si nous on ne connaît pas, mais Allah Ta'ala sait pourquoi. Mouhim, la sagesse ici, pourquoi? L'objectif de cette règle est de protéger l'intimité du foyer du regard d'autrui. Cela est clairement expliqué par le hadith suivant, d'après Sahl ibn Sa'd, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est à cause de ce qu'on pourrait voir chez l'autre
qu'il a été prescrit de demander l'autorisation d'y entrer. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Hein? Donc pourquoi la musulmane et le musulman, quand il frappe à la porte, il ne reste pas en face de la porte au milieu, mais il se met ou bien à droite ou bien à gauche. Parce que lorsque la personne vient et va nous ouvrir la porte, il est possible qu'on voit des choses interdites, il est possible qu'on voit des choses intimes, il est possible qu'on voit sa femme avec des vêtements légers, il est possible que la femme voit un homme avec des vêtements légers, et comme ça. C'est pourquoi, Naam, elle doit toujours se mettre ou bien à droite ou bien à gauche. Elle dit premièrement, et deuxièmement, pour ne pas percer l'intimité des gens. Je ne suis pas curieux au point de savoir comment et qu'est-ce qu'il y a dans la maison de cette personne, etc. Non. D'où l'interdiction de porter un regard indiscret sur la maison des autres pour les espionner ou pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Car en plus de son aspect ignoble et répugnant, cette pratique ne sied aucunement à une musulmane équilibrée et raffinée. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait si horreur de cette indiscrétion obsessionnelle qui permit à la personne espionnée de crever l'œil de l'intrus curieux. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un regarde à l'intérieur d'une maison sans demander la permission à ses habitants, ceux-ci auront le droit de lui crever l'œil. Hadith rapporté par Muslim, voir Sharh Muslim, volume 14, page 138. C'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, qui se trouve dans Sahih al-Jama' de Sheikh al-Albani, rahimahullah, était dans sa maison, en train de quoi? En train de se gratter les cheveux, avec une sorte de fourchette, comme ça. Autrefois, il n'y avait pas, comme par exemple, la brosse. Et il a senti que quelqu'un était en train de voir du trou. Par exemple, du trou de la porte, il était en train de voir, ou bien du trou de la fenêtre, il était en train de voir ce qui se passait dans la maison du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, hein, est allé le voir, il a ouvert la porte, et il a dit, hein, si yani, je t'avais trouvé toujours en train d'espionner, de regarder comme ça, hein, je t'aurais crevé l'œil, ou quelque chose en ce sens. C'est pour ça que les savants disent, si quelqu'un met son œil, par exemple, dans le trou de la serrure pour espionner, et si jamais on le frappe avec une aiguille ou bien une fourchette, avec n'importe quoi, on lui crève l'œil, s'il va au tribunal musulman pour demander, pour poser une plainte, on ne lui donnera rien et on risque même de le mettre en prison. Si on prouve que, parce que il est en train de voir du trou de la serrure, il est en train de voir les choses intimes, tout ce qu'il y a derrière la porte, c'est intime. C'est comme ça en islam. Ça, c'est la première règle. On ne se met pas en face de la porte quand on frappe à la porte. Deuxièmement, il est recommandé de saluer avant de demander la permission d'entrer. Et non pas demander la permission et ensuite saluer. Je répète, deuxièmement, il est recommandé de saluer avant de demander la permission d'entrer et non le contraire. On salue avant de demander la permission d'entrer et non le contraire. Ribay ibn Hirash, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: un homme appartenant à la tribu des Banu Amir demanda la permission du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant: puis-je entrer? Atrol, puis-je entrer? Vous avez remarqué qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il n'a pas dit salam alaykoum. Seulement, puis-je entrer? Puis-je entrer? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hein, dit alors à son serviteur: va voir celui-là et apprends-lui comment on demande la permission. Dis-lui, tu dois dire que la paix soit sur vous, yani assalamu alaykoum, puis-je entrer? L'ayant entendu, l'homme a dit assalamu alaykoum, puis-je entrer? Alors le prophète sallam l'autorisa et il entra. Hadith rapporté par Bukhari dans Adab Mufrad, volume 2, page 518. Donc c'est quoi la sunna? Ce n'est pas on frappe à la porte et si la porte est entrouverte, on dit puis-je entrer? On dit d'abord salam alaykoum. Puis-je entrer? Troisième règle. Troisièmement,
elle doit, la musulmane et le musulman aussi, ici on parle de la musulmane, elle doit se présenter, elle doit se présenter en annonçant son prénom, son nom ou son surnom ou sa kunya. Quand elle frappe à la porte, on lui dit qui est-ce, elle doit se présenter en annonçant son nom. Je suis par exemple Karima, je suis Fadela, je suis Nadia, je suis Khadija. Nam, son prénom, ou bien son nom, le nom de famille, ou bien son surnom, comment qu'on l'appelle, comment qu'elle est connue dans le quartier, ou bien sa kunya, je suis Ummu, par exemple Riyad, Ummu Karim, et comme ça. Et quand on lui demande de s'identifier, elle ne doit pas répondre par des termes vagues, comme « c'est moi ». Non, qui est-ce ? On fera pas la porte. Qui est-ce ? C'est moi. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça ne lui plaisait pas qu'on dise « c'est moi ». Le Bukhari muslim, alayhi ma rahmatullah, rapporte que Jabir ibn Abdullah, radiyallahu ta'ala anhu, a dit « je me rendis chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai frappé à sa porte. Qui est là ? Me demanda-t-il. Je répondis « moi ». Qu'est-ce que j'ai répondu ?« Moi ». Alors le messager de Allah répéta « moi, 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 moi », comme si cela lui déplaisait. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Naam. Donc, Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu, quand il est allé au messager de Allah alayhi sallam, il a frappé à la porte, le messager lui a dit « qui ?» Il a dit « moi ». Le messager de Allah lui a répondu « moi, moi ». Yani, qu'est-ce que c'est cette façon de dire, de répondre comme ça et de dire moi? On ne doit pas dire moi. Yani, il dit Anna, 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 c'est qui quand tu dis moi? C'est qui moi? Le menuisier, il dit c'est moi. Le plombier, c'est moi. Le policier, c'est moi. Le mari, c'est moi. Le voisin, c'est moi. Quand tu dis c'est moi, on n'a rien su. Tout le monde, c'est moi. C'est pour ça que tu dois dire qui es-tu exactement. Non, on ne dit pas c'est moi. Non. Tout cela implique, non. Une seconde, inshallah ta'ala. Non. Tout cela implique qu'il est recommandé d'annoncer son nom quand on frappe à la porte de quelqu'un. Et c'est ce que les compagnons ont compris et appliqué dans leur vie quotidienne. On se rapporte, on rapporte à ce propos qu'Abu Dharr radiallahu ta'ala nous a dit. Une nuit, alors que j'étais sorti de chez moi, je remarquai que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam marchait tout seul. Je continuai alors ma marche au clair de lune. Quand il s'est retourné, il me vit et il me dit « qui est là ?» Qui est là derrière moi ? Parce qu'il voyait seulement la forme. « Abu Dharr » répondis-je. « Abu Dharr » répondis-je. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. Vous voyez Abu Dharr, comment il a appliqué le hadith, quand le messager d'Allah lui a dit qui es-tu, ou de qui est là, il n'a pas dit c'est moi, mais il a dit Abu Dharr. Donc, c'est permis de répondre par la kunya. Qui es-tu? Tu dis Abu Ali, Abu Omar, Abu Jamal, et comme ça. Non. On rapporte aussi Ummu Hani, la cousine du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la sœur de Ali ibn Abi Talib. Donc, c'est sa cousine. C'est-à-dire que son père à elle et le père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient des frères. On rapporte aussi qu'Ummu Hani, radiallahu ta'ala anha, a dit « une fois je me rendis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire ses ablutions majeures, et Fatima sa fille, radiallahu ta'ala anha, le cachait à l'aide d'un voile. » Donc il a entendu que, derrière le voile, que quelqu'un s'approchait. Il a dit « qui est-ce ?» C'est moi, Ummu Hani, répondis-je. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Qui est-ce? C'est moi, Ummu Hani, répondis-je. Elle n'a pas dit c'est moi. C'est qui c'est toi? C'est moi. Non, c'est moi, Ummu Hani. C'est moi, Ummu Hani. Non. Et vous remarquez, barakallahu fikum, que elle avait trouvé qui? Elle a trouvé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se lavait de la janaba. Non, les ablutions majeures. Où? Subhanallah, comme ça dans un coin, et sa fille Fatima
en train de le cacher avec un voile. Regardez comment c'était difficile. Allahu Akbar, comment c'était difficile dans les premiers temps. Il n'y a ni douche ni rien. Tu prends un petit coin dans la chambre et quelqu'un te met un voile et tu jettes sur toi de l'eau. Maintenant, nahnou, masha'Allah, la salle de bain, naam, et tu tournes quelque chose, il y a de l'eau qui vient, masha'Allah, l'eau froide, l'eau chaude, naam. Ensuite, les différentes sortes de shampoings, ensuite différentes sortes de savons, ensuite différentes sortes de crèmes, masha'Allah. Ensuite, le séchoir, ensuite la robe de chambre, là, comment ça s'appelle, avec sortie de bain. Ensuite, ça et ça et ça. Naam. Mais autrefois, la vie était très simple. Et regardez comment personne ne se plaignait. Juste un voile et il prend sa douche. Maintenant, beaucoup de gens, naam, qui se sont habitués à vivre dans l'aise et l'aisance, naam, il leur est difficile de prendre une douche comme ça facile. D'aller comme ça, par exemple, dans un côté, par exemple, de la cuisine ou là, et de se verser une marmite d'eau sur la tête. Je dis non, c'est pas possible. Il faut la douche, il faut le shampoing, il faut les sortes de crèmes, il faut séchoir, il faut comme ça. Non, mais elle peut rester 3 ou 4 jours avec la djanaba sans faire la salade. Non. Et ça me rappelle le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, très connu, qui se trouve dans Sahih al-Jami'. Vous pouvez le vérifier aussi dans le numéro 922. 922 dans Sahih al-Jami', où le messager d'Allah a dit: Uzhud fi dunya yuhibka Allah. Uzhud fi ma fi aidin nas yuhibka nas. Il a dit: tu veux qu'Allah Azza wa Jal t'aime? Naam. Voilà une, yani des solutions. Qu'est-ce que tu fais? Uzhud fi dunya yuhibka Allah. Uzhud fi dunya, soit ascète. Ascète, l'ascétisme. Yani ne cours pas derrière cette dunya. De la voir toute, hein? Mais il y a une histoire à vie, des choses nécessaires, cette dunya, c'est juste un pont. Tu vas la traverser pour aller dans le grand paradis qui t'attend. Ne fais pas de cette dunya ta vraie vie, comme font les kofars. Les kofars, pour eux, c'est ça la vie, il n'y a pas une autre vie. Et toi, tu as une autre vie, ça c'est seulement un pont que tu dois traverser. Alors essaye de t'éloigner des choses dont tu n'as pas besoin. Si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Allah Ta'ala va t'aimer. C'est le hadith qui dit: Uzhud fi dunya, éloigne-toi de cette dunya, Allah Ta'ala va t'aimer, yuhibka Allah. Et il te montre maintenant Allah Azza wa Jal, hein, par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala lisanih, te montre comment faire si tu veux aussi que les gens t'aiment. Hein, tu veux que les gens t'aiment, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va te montrer comment faire si tu veux que les gens t'aiment. Il a dit: Uzhud fi ma fi aidin nas. Éloigne-toi de ce qu'ont les gens dans leurs mains, alors les gens vont t'aimer. Naam, c'est une sunna d'Allah Azza wa Jal. Si tu t'éloignes des gens, tu ne leur demandes rien, tu leur dis pas donnez-moi, les gens vont t'aimer. Si à chaque fois tu es collé à quelqu'un, donne-moi, aide-moi, j'ai pas, donne-moi, il va pas t'aimer, cette personne ne va pas t'aimer. C'est une sunna d'Allah Azza wa Jal. Donc le message d'Allah a dit: si tu veux que les gens t'aiment, naam, éloigne-toi, naam, essaie au maximum de ne rien leur demander. Maximum de ne rien leur demander. Quatrième règle, inshallah ta'ala. Et cette règle, elle est très importante. C'est pour ça qu'il faut bien suivre avec moi ce qui va venir. C'est très important. Quatrièmement, quand on lui signifie qu'on n'est pas prêt à la recevoir et qu'elle doit revenir plus tard, elle doit l'accepter de bon cœur et s'exécuter. Si on signifie à la personne qui est venue frapper à la porte pour demander la permission de nous rencontrer ou d'entrer dans la maison, si on lui signifie qu'on est occupé et qu'on ne peut pas, sans que je sois obligé de lui dire quelles sont mes occupations, ça ne m'intéresse que moi. Si je lui dis: excusez-moi, mais je ne suis pas disponible aujourd'hui, revenez demain ou l'après-demain ou là ce soir, elle doit accepter de bon cœur et s'exécuter. Pourquoi? Car c'est le Coran qui nous ordonne cela. Allah Ta'ala a dit dans le Coran: wa in qila lakum warji'u farji'u. Et si on vous dit retournez, retournez alors. Et si on vous dit retournez alors,
cela est plus pur pour vous. Et Allah de ce que vous faites est omniscient. Allah bima ta'maluna alim. Non. Si on frappe à la porte de quelqu'un et ce quelqu'un sort et nous dit wa alaykoum salam wa rahmatullah, excusez-moi aujourd'hui, je suis occupé, revenez demain, on doit lui dire barakallahu fik, jazakallahu khayran, à demain inshallah, et on part, on lui dit salam alaykoum et on part. C'est comme ça que nous a appris le Coran. Il ne faut pas naam, dire pourquoi vous ne m'acceptez pas aujourd'hui, pourquoi on ne se rencontre pas aujourd'hui, et quelles sont tes occupations, et prouve-moi que tu es occupé, et des choses comme ça. Tout ça, c'est contraire au Coran, c'est contraire à la Sunna, c'est contraire aux règles et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui précise qu'on doit demander la permission en frappant à la porte à 3 reprises. Puis, entrer si l'autorisation nous en est donnée. Sinon, on doit rebrousser chemin. On doit rebrousser chemin. Le Bukhari Muslim rapporte, d'après Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la demande d'être autorisé à entrer se fait 3 fois. Si on te l'accorde, entre, sinon tu devras rebrousser chemin. Naam. Quand on va chez quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On frappe à la porte 3 fois. Naam, 3 fois. Et si après la 3e fois, il n'y a rien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rebrousser chemin. Ça veut dire que la personne ou bien n'est pas là, ou bien ne veut pas ouvrir. Et si la personne ne veut pas ouvrir, elle est libre. Elle est libre dans sa maison. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Peut-être qu'elle est en train de prendre une douche. Peut-être qu'elle est dans les toilettes. Peut-être qu'elle est avec sa femme ou avec son mari. Je ne suis pas obligé qu'on me dise ce qu'ils font à l'intérieur. Je frappe 3 fois. S'il n'y a rien, je dois partir. C'est Allah Ta'ala qui nous a dit ça. Et c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit cela. Maintenant, bien sûr, on me dit, il n'y a pas de sang. Non. Maintenant, bien sûr, Arim, c'est pas toi, c'est toi qui n'as pas de sang. Non. Que je voulais dire. Non. Maintenant, de nos jours, par exemple, il y a la sonnette. Ou la sonnerie. C'est plus fort que le fait de frapper avec la main. Ça veut dire, si on sonne 3 fois et qu'on ne nous a pas ouvert la porte, c'est que vraiment, ou bien ils ne sont pas là, ou bien ils veulent nous dire, on ne veut pas ouvrir, revenez une autre fois. C'est pour ça qu'on doit rebrousser chemin. D'ailleurs, il y a un hadith que j'ai lu une fois où il est dit que les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, quand il a allé chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, frappé à sa porte, il frappait avec le bout des ongles, avec le bout comme ça des doigts. C'est-à-dire même pas avec la main comme ça fort, juste un peu comme ça, naam, et 3 fois, et il partit. Maintenant, vous remarquez qu'il y a des gens, subhanallah al-azim, qui sont vraiment loin, yani de la sunna, loin de la sunna et du comportement islamique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent frapper à la porte et, subhanallah al-azim, ils peuvent rester un quart d'heure en train de frapper. 10 minutes, un quart d'heure en train de frapper. Subhanallah al-azim. Pourquoi tout ça? 10 minutes, un quart d'heure. Et des fois, quand tu vas ouvrir, trouve que c'est quelque chose de vraiment futile. Non, quelque chose de vraiment futile. Peut-être tu trouves quelqu'un ou tu trouves un habesh qui te dit je suis venu vendre un calendrier. La hawla wa la quwwata illa billah. Un quart d'heure comme ça en train de frapper à la porte, même des gens qui ne connaissent pas l'islam et qui ne savent pas qu'il n'est pas permis de frapper plus de 3 fois. Bien sûr, si on frappe comme ça par exemple à la fois 3 fois, tac tac tac, ça compte une fois. Ensuite on a la deuxième fois, tac tac tac, comme ça, ça compte aussi une fois. Non. Et on attend aussi, on laisse à peu près quelques minutes pour donner le temps à la personne. Par exemple, on se dit peut-être qu'elle est en train de prendre la douche, peut-être qu'elle est dans les toilettes, peut-être ceci, peut-être qu'elle est en train de s'habiller. Je lui donne un peu de temps. Ensuite, la troisième fois, s'il n'y a rien, non, même si j'entends des pas à l'intérieur ou là, je ne fais pas d'espion. Non, je me dis la personne ne veut pas ouvrir, elle a ses excuses. Je reviendrai la prochaine fois, inshallah ta'ala.
il rapporte aussi, c'est-à-dire Bukhari ou Muslim, d'après Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu ta'ala anhu, hein, il a dit une fois, je demandais à trois reprises l'autorisation d'entrer chez Omar, radiallahu ta'ala anhu, mais je ne reçus aucune réponse. Il me manda alors, il me dit, ô Abdullah, c'est-à-dire, ô Abdullah, tu as trouvé insupportable d'attendre devant ma porte. Sache donc que les gens trouvent eux aussi insupportable d'attendre devant la tienne. Au contraire, répliquai-je, j'ai demandé trois fois l'autorisation d'entrer, mais comme on ne me l'a pas accordé, je suis parti. Car c'est ainsi qu'on nous ordonnait de faire. Il me dit alors, c'est-à-dire Omar Murtab, il me dit alors, de qui as-tu entendu cela? Je l'ai entendu du prophète, alayhi sallam, répondis-je. C'est lui qui nous a appris qu'il fallait frapper trois fois, sinon il fallait partir. Il me dit, aurais-tu entendu le prophète? Aurais-tu entendu du prophète, alayhi sallam, ce que nous n'avons pas entendu? Établis la preuve de ce que tu viens de dire, sinon je t'infligerai une punition exemplaire. Il a dit, je sortis ensuite de chez lui, puis, ayant rencontré un groupe de Médinois dans la mosquée, je les interrogeai sur ce que je venais de dire à Omar. Y a-t-il quelqu'un qui doute de cela, me demandèrent-ils. Je leur rapportai donc les propos de Omar, yani ce qui s'est passé entre moi et lui. Personne d'autre que le plus jeune d'entre nous ne t'accompagnera, me dirent-ils. Alors Abu Sa'id al-Khudri, ou bien Abu Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, se leva et m'accompagna et dit à Omar. Il lui dit, nous sortîmes en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui comptait se rendre chez Sa'd ibn Ubada. Quand nous arrivâmes devant sa maison, la maison de Sa'd, le prophète alayhi wa sallam prononça le salut. Mais personne ne l'autorisa à entrer. Il fit une deuxième fois, puis une troisième. Mais il ne reçut aucune réponse. Alors il a dit alayhi wa sallam, ainsi nous nous sommes acquittés de notre devoir. Puis il s'en alla. Mais Sa'd le rattrapa, alayhi salam, sur le chemin et lui dit, par celui qui t'a envoyé pour transmettre la vérité, ô messager d'Allah, à chaque fois que tu prononçais le salut, je répondais à ta salutation, mais je désirais t'entendre adresser davantage de salutations à moi ainsi qu'à ma famille. Voilà la cause pourquoi, yani, je t'ai pas pu entrer. Je voulais t'entendre dire plusieurs fois salam alaikum, car quand le messager d'Allah, alayhi salam, dit à quelqu'un salam alaikum, c'est vraiment, yani, c'est le salam, le nom, l'un des bons noms d'Allah Azza wa Jal, yani qui va descendre sur toi, subhanallah, salam wa alaykum, qui ne voudrait pas que le messager d'Allah lui dise que la paix soit sur toi. Non, il a dit, voilà la cause pour laquelle, yani, je t'ai fait attendre devant la porte. Al-Muhim, ce qu'on tire de là, c'est quoi? C'est que le messager d'Allah, quand il a frappé trois fois, on ne lui a pas donné la permission d'entrer, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, alors nous avons fait notre devoir, puis il s'en alla. Regardez le messager d'Allah, il n'a pas dit, je vais rester ici jusqu'à ce qu'on m'ouvre. Là, je vais défoncer la porte. Trois fois, il a dit, non, alors nous partons. Nous avons fait ce qu'on devait faire, bi'idhnillahi azza wa jalla. Sur ce, Abu Moussa a dit à Omar, par Allah, j'ai été honnête en rapportant ce hadith du messager d'Allah. Et Omar répondit, certes, je voulais juste m'en assurer. Voir Fath al-Bari, volume 11, page 26, et Sharh Sahih Muslim, volume 14, page 130. Naam. Dans une autre version de Muslim, écoutez l'autre version, dans une autre version de Muslim, il est précisé que Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, s'est reproché cela en disant, comment se fait-il qu'un tel commandement de la part du messager d'Allah m'est échappé? Comment se fait-il? Une sunna comme celle-là, elle m'a échappé. Moi qui suis presque tout le temps avec le messager d'Allah. Ensuite, il a dit, c'est sûrement le fait d'être occupé à conclure des affaires au marché qui m'en a détourné. C'est sûrement le fait d'être occupé à conclure des affaires au marché qui m'en a détourné. Hein? Voir Sharh Sahih Muslim, volume 14, page 134. Regardez. Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, nous reconnaît que quoi? Que le fait de passer beaucoup de temps dans le marché, à faire des affaires,
qu'est-ce qui se passe alors? Alors, ça te fait passer beaucoup de sunnah que tu ne vas pas apprendre en islam. Beaucoup de choses, l'âme se passe, et beaucoup de sunnah vont être recommandées par le messager d'Allah, et toi, tu es dans le marché, dans le sourd, et tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. C'est pour ça qu'il s'est reproché à lui-même le fait de tarder un peu dans les marchés. Ça me rappelle le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith qui se trouve dans Sahih al-Jami', le Cheikh Al-Albani, vous l'avez entendu de moi plusieurs fois, où le messager d'Allah, alayhi wa sallam, a dit, Inna al-tujjar hum al-fujjar. Il a dit, Inna al-tujjar, comment on connaît al-tujjar? Le commerçant, le commerçant. Il a dit, les commerçants, ce sont eux les pervers. Inna al-tujjar hum al-fujjar. Inna al-tujjar hum al-fujjar. Et dans un autre hadith, il a dit, Inna al-tujjar yub'athuna yawm al-qiyama fujjaran. Il a dit, les commerçants, Allah Ta'ala, le jour du jugement dernier, va les faire ressusciter pervers. Il a dit, illa, sauf man ittaqa Allah, sauf celui qui a eu peur d'Allah Azza wa Jal, wa bar wa sadaq, et yani, a été yani, honnête et n'a pas menti. Pourquoi cela? Parce que vous savez que les commerçants, yani, et le commerce surtout de nos jours, où la foi a beaucoup faibli, prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps des gens. Et puis les gens, à cause de l'argent, ils oublient leur dîn. Et à cause de l'argent, il est capable de faire tout le haram du monde. Et quand tu lui dis pourquoi, il te dit, c'est daroura. Il te dit, c'est daroura. Je suis dans le besoin. Comment je fais? Je vais mourir, moi? Ou bien il va te dire, tout le monde fait l'usure. Tout le monde fait la riba. Tout le monde fait les intérêts. Tout le monde fait ça. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Non. Comme ça, les gens qui n'ont pas peur, Allah Azza wa Jalla, c'est pour ça que le messager d'Allah, il a dit, Inna tujara hum al-fujjar. Il a dit, les commerçants, ce sont eux les pervers. Et bien sûr, là, il a accepté, sauf ceux qui craignent Allah Azza wa Jalla et qui sont honnêtes et qui ne mentent pas. Non. Donc, à part cela, demandez aux commerçants, ils vous diront combien, quand on fait le commerce, on rentre dans le commerce, combien on s'éloigne de la sunna du messager d'Allah, et combien on s'éloigne de la quête de la science. La quête de la science. Beaucoup de gens ont cru facile de concilier entre le commerce et la quête de la science. Mais ils n'ont jamais réussi. Et c'est toujours le commerce qui prend le dessus. C'est toujours le commerce qui prend le dessus. Et on essaye de lire un peu, on essaye d'apprendre un peu, mais on ne peut pas. Impossible de joindre entre les deux, sauf vraiment il y a des cas spéciaux et des cas qui se montent, qui se comptent sur les bouts de la main, sur les bouts des doigts, comme on dit. Al-Muhim, telles sont les règles relatives à la demande d'être autorisée chez les gens. La musulmane doit donc les appliquer à chaque fois qu'elle rend visite à des gens, comme elle doit les enseigner aussi à ses enfants, à ses enfants. Maintenant, on passe à un nouveau chapitre, bi'idhni azza wa jall, règles relatives à la participation aux assemblées. Vous écrivez, règles relatives à la participation aux assemblées. J'attends, inchallah ta'ala, que vous écriviez. Je répète, règles relatives à la participation aux assemblées. Quand une musulmane rejoint une assemblée, il lui est recommandé de s'asseoir là où elle trouve une place libre. Ou alors au dernier rang. Elle ne doit ni enjamber les personnes assises, ni s'interposer entre deux personnes, sauf en cas de nécessité, et avec leur permission. Ces règles sociales de bienséance qui ont été recommandées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam font de toute personne, les observant, un modèle de raffinement, de courtoisie et de bonne éducation. On rapporte que Jabir
Ibn Samura, radiallahu ta'ala anhu, a dit: quand nous nous rendions auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre nous s'asseyait là où le dernier rang prenait fin. Quand nous allions chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous nous asseyions là où le dernier rang prenait fin. Hadith rapporté par Abu Dawud et Tirmidhi. Et, yani, jugé, apprécié, atteignant le degré d'authentique, mais singulier, c'est-à-dire Hassan Sahih Gharib. Donc, quand on va dans une assemblée, il y a des gens qui sont assis, etc. Hein, on ne commence pas à enjamber les gens pour aller s'asseoir. Mais on reste là, dans le dernier rang. On reste là, dans le dernier rang. Non. On rapporte aussi que le messager d'Allah a dit: il n'est pas permis à un homme de séparer entre deux personnes assises sans leur permission. Hadith rapporté par Abu Daoud aussi et apprécié. Hadith apprécié. Je répète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis à un homme, et bien sûr à une femme aussi, de séparer deux personnes assises sans leur permission. Hadith, c'est premièrement. Deuxième règle, s'interposer entre deux personnes, que ce soit dans une assemblée ou dans un autre cadre, est une mauvaise pratique condamnée par le prophète alayhi sallam dans plusieurs hadiths. Les compagnons évitaient cette forme d'intrusion et réprimandaient ce qu'il a commis. Il est interdit de s'interposer entre deux personnes. On rapporte à ce sujet que Saïd al-Maqbouri radiallahu ta'ala anhu a dit: une fois, je rencontrais sur mon passage Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, en train de discuter avec un homme. Écoutez bien, écoutez bien. Saïd al-Maqbouri a dit: une fois, j'ai rencontré sur mon passage Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, en train de discuter avec un autre homme. M'étant arrêté devant eux, Ibn Omar me tapa sur le torse en me disant: quand tu rencontres deux personnes en train de parler, ne t'arrête pas devant eux et ne t'assieds pas avec eux qu'après leur en avoir demandé la permission. Alors je lui dis: qu'Allah Azza wa Jal améliore ta situation, ô Aba Abdurrahman. Je voulais uniquement entendre quelque chose de bénéfique de votre part. Donc, deux personnes sont en train de discuter. Je suis en train de marcher, je ne m'arrête pas chez eux sans leur avoir demandé la permission. Et je leur dis salam alaikum et je continue. Maintenant, si j'ai vraiment besoin d'une de ces personnes, je me retire un peu au loin et je leur fais signe pour leur apprendre cela. Mais je ne rentre pas comme ça directement avec eux. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire, peut-être quelque chose d'intime, peut-être quelque chose de secret, peut-être. C'est pour ça que Abdullah lui a dit: quand tu rencontres deux personnes en train de parler, ne t'arrête devant eux et ne t'assieds avec eux qu'après leur en avoir demandé la permission. Il lui dit: salam alaikum, je peux, je ne vous dérange pas. Si on dit tfadla, tfadla. Sinon, tu t'intruses pas comme ça. Tu rentres entre eux et tu veux écouter ce qu'ils disent. Troisièmement, la modestie, la bienséance exige aussi que lorsque quelqu'un rejoint une assemblée, il ne demande pas à une personne qui l'y a précédé de se lever pour lui céder sa place. Ça aussi, ce n'est pas permis en islam. Quand on arrive, on fait lever quelqu'un qu'on veut s'asseoir à sa place. Si toutefois quelqu'un prend l'initiative tout seul de se lever de sa place pour la lui céder, il lui est préférable aussi ici de ne pas l'accepter, car tel était le comportement des compagnons qu'Allah Azza wa Jal les a créés. D'après Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: que l'un d'entre vous ne fasse pas lever une autre personne de sa place dans une assemblée pour s'y mettre. Tâchez plutôt de vous écarter et faire place. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Au lieu de faire lever une personne pour que je me mette à sa place, je demande seulement quoi? Qu'il s'écarte un peu et qu'il me fasse
une petite place entre eux. Ils n'ont pas, je fais lever quelqu'un et je vais m'asseoir à sa place. Mieux encore, il a dit, si quelqu'un de bon gré, c'est lui qui veut, et il se lève, il te dit, assis-toi, il a dit de préférence, on lui dit barakallahu fik, et on ne s'assoit pas à sa place, car on n'est pas mieux que lui. On n'est pas mieux que lui. Non. On rapporte aussi que Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, ne s'asseyait jamais à la place de quelqu'un qui l'aura quitté pour la lui céder. Hadith authentique, voir Sharh Sahih Muslim, volume 16, page 161. Abdullah ibn Omar, le compagnon sublime, Jalil, radiyallahu ta'ala anhu, le fils de Omar ibn Khattab, ne s'asseyait jamais dans une place que quelqu'un la lui cède. Si quelqu'un se lève, lui dit, Fadl Abdullah, assieds-toi, jamais il n'acceptait. Non, jamais. C'était quoi? C'est la modestie, mashallah. La modestie, non. Pourquoi je m'assois à ta place? Est-ce que moi je suis mieux que toi? Peut-être que moi, je ne fais rien dans cet islam. Je ne connais rien dans le dîme. Toi, tu passes la nuit à prier, moi je passe la nuit à ronfler. Toi, tu passes la plupart de ton argent, tu le donnes le sabillah. Moi, je ne donne pas un sou, je suis avare. Et moi, je connais rien de l'islam et je vais m'asseoir à ta place. Subhanallah, ça ne se fait pas aller. Quatrièmement, dans une assemblée ou une rencontre composée de trois personnes, c'est très important ce que je vais dire ici. Je reviens sur ce que j'ai dit maintenant, une seconde. Des fois, il arrive que la personne qui se lève, c'est elle qui se lève et qui, par exemple, te supplie pour t'asseoir à sa place. Par exemple, supposons un alim est rentré, un savant est rentré, maintenant il n'y a plus de place, il n'y a qu'un petit coin là-bas. Est-ce que nous sommes obligés que quelqu'un de nous se lève de sa chaise ou de son fauteuil pour faire asseoir le savant ou pas? Dans ce cas, on est obligé de se lever pour faire asseoir, par exemple, ce savant. Et le but ici, bien sûr, le but, comme vous l'avez compris, c'est un but, il y en a vraiment islamique parce que c'est un savant. Non. Quatrièmement, très important, dans une assemblée ou une rencontre composée de trois personnes, il n'appartient pas à deux d'entre elles de s'entretenir en privé à l'écart de la troisième. Vous avez entendu? C'est très important ce que je dis. Dans une assemblée ou bien une rencontre composée de trois personnes, il n'est pas permis, il n'appartient pas à deux personnes d'entre elles de s'entretenir en privé à l'écart de la troisième. Le messager d'Allah alayhi sallam a dit, quand vous êtes trois, vous ne devrez pas vous entretenir à deux sans la participation du troisième, à moins que d'autres personnes ne se joignent à vous. Pourquoi? Car cela pourrait lui faire de la peine. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Subhanallah. Nous sommes trois. Nous étions trois. Ensuite, deux personnes vont se détacher et vont me laisser seul. Et ils vont, je ne sais pas quoi, chuchoter. Non. Qu'est-ce que je vais penser moi? Je vais dire qu'ils sont en train de parler de moi. Et le shaitan va venir et va me dire, Naam, ils sont en train de dire de mauvaises choses sur toi. Pourquoi? Ils n'ont pas dit devant toi. Donc c'est à cause de toi et ils sont en train de comploter ceci et cela. Non, c'est pour ça qu'il leur est interdit, non, de s'isoler pour parler. Mais s'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent faire venir une autre personne au moins qui restera à me tenir compagnie. Quand on sera quatre, les deux vont demander la permission pour s'isoler. Une musulmane au caractère raffiné par l'islam tient à respecter les règles de bienséance, comme elle tient à respecter les sentiments des autres et ne pas blesser leur amour propre. Quand elle se trouve avec deux autres personnes, elle ne consacre pas sa conversation exclusivement à l'une en ignorant la présence de l'autre. Non, si nous sommes trois maintenant, je ne vais pas seulement parler avec une personne et, qu'est-ce que je vais faire? Exclure l'autre. Je ne la calcule pas. C'est comme si elle n'existait pas.
je ne parle qu'à une personne, je ne regarde que cette personne, je ne ris qu'avec elle, et l'autre, la troisième, elle est avec moi comme si elle n'existait pas, subhanallah. Vous ne voyez pas, vous ne sentez pas que ça va vraiment lui faire mal. Et l'islam, bien sûr, donne beaucoup d'importance à ne pas blesser les gens et à ne pas blesser leur amour propre. Cela est même susceptible d'irriter et même d'offenser la troisième personne. Eu égard aux sentiments des autres, cette pratique est condamnée. Cependant, je dis cependant, si jamais une croyante estime nécessaire de s'entretenir en privé avec une personne en présence d'une troisième, elle doit alors demander la permission à celle-ci et s'excuser auprès d'elle après avoir écourté son entretien avec l'autre. Maintenant, si on est trois, et vraiment, je dois parler de quelque chose de secret avec l'une des deux personnes qui sont avec moi. Et je n'ai pas trouvé une quatrième personne pour la faire venir, pour qu'elle reste avec l'autre personne. Qu'est-ce que je fais? Alors, je demande à la personne que je vais laisser seule, il faut que je lui demande la permission. Je lui dis, pardonne-moi, jazakallahu khairan, juste quelques secondes, j'ai quelque chose, yani, vraiment de secret ou là, à lui dire. Et dans ce cas, si elle permet, je ne dois pas, yani, je dois écourter l'entretien. Juste lui dire quelques mots comme ça, vite, très vite, et revenir vers la troisième personne. Naam. Il s'agit là d'un comportement qui reflète l'intelligence, la gentillesse et la courtoisie. Autant d'éléments nécessaires pour maintenir des relations sociales saines et durables. Cette règle de bienséance enseignée par l'islam, a été scrupuleusement observée par les compagnons. Ils l'ont parfaitement assimilée, ils l'ont constamment appliquée dans leurs rapports sociaux. Dans le Muwatta, volume 2, page 998, l'imam Malik rahimahullah rapporte que Abdullah ibn Dinar a dit. Il a dit, alors j'étais en compagnie de Abdullah ibn Omar dans la maison de Khalid ibn Uqba, qui se situe dans le marché. Un homme vint dans l'intention de s'entretenir avec Abdullah ibn Omar en aparté, en tête à tête. Et comme il n'y avait que moi à être présente avec eux, Ibn Omar fit appel à un autre homme pour que l'assemblée soit composée de quatre personnes. Il s'adressa ensuite à moi, ainsi qu'à la personne à laquelle il a fait appel en nous disant, écartez-vous un peu de nous, car j'ai entendu le messager d'Allah dire que deux personnes ne s'entretiennent pas en présence d'une troisième. Que deux personnes ne s'entretiennent pas à part en présence du troisième. Vous remarquez comment Abdullah ibn Omar appliquait, mashallah, la sunnah. Pourquoi c'était l'homme, le compagnon, qui n'avait pas un compagnon qui suivait la sunnah plus que lui. Il n'y avait pas un compagnon qui avait peur de désobéir à la sunnah plus que lui. Ici, qu'est-ce qu'il a fait? A voulu parler avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher avec la troisième, il a demandé aux deux autres, c'est-à-dire la quatrième qui est venue, à qui il a fait appel, et la troisième, il leur a dit, Barakallahu fikoum, écartez-vous un peu, hein, on doit se dire quelque chose, yani, de personnel. Ainsi, par égard à Ibn Dinar, Abdullah ibn Omar refusa d'écouter l'homme qui était venu lui parler en privé. Naam. Il est venu pour parler à Abdullah ibn Omar en privé. Il n'a pas accepté. Il est allé chercher le quatrième afin de lui épargner la peine de son premier compagnon. Alors il demande à un autre homme, un quatrième, de se joindre à eux et en leur apprenant que telle fut la conduite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et en leur citant le hadith, il leur a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire que deux personnes ne s'entretiennent pas à part en présence d'une troisième. Non, c'est-à-dire si je fais cela, c'est pas de ma tête. C'est la sunna qui dit comme ça. La vraie musulmane doit donc suivre cet exemple et appliquer cette pratique noble
qui traduit le respect et l'affabilité vis-à-vis des autres. Naam, ça me rappelle une chose aussi, c'est quoi? Je l'ai lu une fois dans un des livres de Cheikh Ibn Othaymeen Rahimahoullah. Il dit que c'est la même chose pour celui, par exemple, je donne un exemple, on est trois personnes. Par exemple, moi et deux personnes. L'une de ces, alaykoum salam, Abou Safir. L'une de ces deux personnes qui est avec moi, par exemple, connaît la langue, par exemple, disons la langue, disons kabyle. Et la deuxième qui est avec moi ne comprend pas le kabyle. Moi, qu'est-ce que je fais? Je parlais en arabe, ou là en français, ensuite je change de langue et je commence à parler en kabyle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'une des deux personnes va me comprendre et l'autre ne va pas comprendre. Cheikh Ibn Othaymeen Rahimahoullah a dit, c'est interdit. Ça rentre dans l'interdiction de ce hadith. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une différence entre que tu t'isoles avec cette personne et vous allez me laisser seul, je vais dire ils sont en train de comploter, ou bien vous changez de langue et vous parlez dans une langue que je ne comprends pas. Non, vous parlez dans une langue que je ne comprends pas. Le shaitan va me dire, ils sont en train de comploter. Ils ont changé de langue. Pourquoi spécialement à cause de toi? Pour que tu comprennes pas ce qu'ils sont en train de dire. Et ils sont en train de comploter ou de médire sur toi et comme ça. C'est pour ça, il est interdit de changer de langue et de parler dans une autre langue. Naam. Tayyib. Ça, c'est quoi? C'est, Inch'Allah Ta'ala, la quatrième règle. Cinquièmement, dans une assemblée ou bien en présence d'autres personnes, la vraie musulmane évite de bâiller autant que faire se peut. Si toutefois un besoin pressant de bâiller l'envahit, elle doit le repousser autant que possible. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quand l'un de vous éprouve le besoin de bâiller, qu'il le retienne autant que possible. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Naam. Si le besoin de bâiller devient insistant, au point qu'elle ne peut même pas le retenir, elle doit alors se mettre la main sur la bouche. Conformément au hadith du messager d'Allah, alayhi sallam, qui a dit, quand l'un d'entre vous bâille, qu'il se mette la main sur la bouche. Car Satan, le shaitan, est susceptible de s'y introduire. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. Non. Dans un autre hadith, il est dit que le shaitan va rire de toi. Quand tu es en train de bâiller, sans mettre la main sur ta bouche, il peut se passer deux choses. L'une des choses, il peut rire de toi. Et la deuxième qui est grave, c'est quoi? Le shaitan risque de s'introduire. Le shaitan sera dans ta bouche, à l'intérieur. Et de l'intérieur de ta bouche, il pourra aussi descendre. Il pourra aussi descendre. Et par là, il pourra même habiter la personne. Donc, dès que j'ai envie de bâiller, au maximum, j'essaye de pas bâiller. Mais si c'est plus fort que moi, qu'est-ce que je fais? J'essaye de mettre ma main sur ma bouche pour empêcher le shaitan de rire et de rentrer. De rire et de rentrer. Non. Cette pratique recommandée par le prophète, alayhi, est une règle de bienséance qui traduit la courtoisie du croyant vis-à-vis de son entourage. C'est très animal éduqué de faire comme ça devant tout le monde. Bâiller en présence des autres signifie quoi? Signifie généralement qu'on a envie de les quitter ou bien qu'on les trouve ennuyeux. C'est pourquoi la musulmane le repousse autant que possible. Et quand elle le fait conformément aux règles islamiques de bienséance. Naam. Maintenant, si jamais elle le fait, par exemple, beaucoup et comme j'ai dit, ça veut dire par rapport aux gens que vous m'ennuyez, j'ai envie de vous quitter, alors elle peut par exemple s'excuser et dire, voilà, excusez-moi, je baille beaucoup parce que hier, par exemple, j'ai tardé jusqu'à 2 h du matin. Elle peut même dire pourquoi. Parce que moi, quand elle va dire, j'ai tardé jusqu'à 2 h du matin, je vais dire, elle a vu un film policier. Elle a vu un film policier toute la nuit. Parce que on veut vite jeter des étiquettes sur les gens. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, j'ai tardé avec mon fils qui n'a pas voulu dormir jusqu'à 2 h du matin. C'est pour ça que je suis en train de bâiller.
Comme ça, on va comprendre, inshallah ta'ala. Ensuite, je voudrais vous faire remarquer que les personnes qui baillent beaucoup, et comme ça, sans raison, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas beaucoup dormi, sans raison, elles baillent, elles baillent, elles baillent. Il a été prouvé que c'est un symbole ou un signe, c'est un signe du mauvais œil. Si tu te vois beaucoup bailler sans raison, les savants disent c'est un signe du mauvais œil. Surtout, surtout, si c'est pendant, quand tu écoutes le Coran, on a quelqu'un qui fait la ruqya. Et tu commences à bailler, à bailler, à bailler, ça s'arrête pas. Et des fois, jusqu'au point où les larmes commencent à couler. Alors tu n'as ni sommeil ni rien. On dit, c'est un signe de quoi? Que cette personne a le mauvais œil. Le mauvais œil. Sixièmement et dernièrement, sixièmement, mais on va terminer avec cela. Quand la musulmane est en compagnie des autres, elle doit observer les règles de bienséance relatives à l'éternuement. L'otas. Car de même que l'islam a déterminé les règles relatives au bâillement, il a aussi défini les règles concernant l'éternuement. Il a indiqué aux musulmans la formule à prononcer quand ils éternuent, la formule à dire aux autres lorsqu'ils éternuent, ainsi que leur réponse. Alors vous remarquez que l'islam n'a pas laissé les gens comme ça, comme des animaux. Chaque chose, chaque geste que tu fais, il te montre comment tu le fais, qu'est-ce que tu dois dire. D'ailleurs, Salman, radiallahu ta'ala anhu, il y a un juif qui lui a dit, votre messager vous a appris même, il a dit en arabe, le khara'a. Khara'a, c'est yani, comment vous faites quand vous allez aux toilettes, les grands besoins, les selles. Et Salman n'a pas été complexé. Il a dit, na'am, na'am, n'a pas été complexé. Ajil, laqad nahana, sallallahu alayhi wa sallam, نستقبل القبلة برايت أو بول. لا دي نعم. Le messager d'Allah nous a interdit, quand on fait des besoins, les petits besoins, les grands, de se mettre en face de la Qibla ou bien de lui donner notre derrière. وأن لا نستنجي باليمين. Et il nous a interdit de se nettoyer avec la main droite. وأن لا نستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. Et il nous a interdit de se nettoyer avec moins de trois cailloux, ou trois cailloux et plus. وأن يستنجي براجيع أو عظم. Et il nous a interdit de se nettoyer avec un os ou bien avec des déchets, des excréments, par exemple d'une bête. Regardez, il n'a pas été compensé. Donc, il nous a montré que ça, naam, c'est vrai, le messager d'Allah nous a tout appris, même dans les toilettes, comment qu'on fait. Ce qu'on touche, ce qu'on ne touche pas. Avec quoi on s'essuie, avec quoi on ne s'essuie pas. Quelle main on emploie. On se met face de la Qibla ou on ne se met pas face. Et comme ça, il n'y a rien en islam qui ne soit pas inscrit et prescrit. Subhanallah. Mais c'est nous qui sommes loin de l'islam et c'est nous qui ne connaissons pas bien notre dîn. Donc ici, après que l'islam nous ait montré qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire quand on baille, maintenant l'islam nous montre qu'est-ce qu'on doit faire et comment on fait quand on éternue. D'après Abu Huraira, radiallahu prophète Ali a dit, Allah aime l'éternel. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala déteste le bâillement. Parce que le bâillement, c'est le signe de quoi? De l'oisiveté. C'est le signe du fainéantisme. C'est le signe de la paresse. Allah Ta'ala n'aime pas ces choses. L'islam n'aime pas ces choses. Et l'éternuement, c'est au contraire. C'est quelqu'un qui est dynamique, mashallah. Il éternue. Il est nerveux, mais mashallah, il n'est pas en train de dormir tout le temps, toute la journée. Non. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand l'un d'entre vous éternue, puis loue Allah. Il dit, alhamdoulilah, il sera du droit, du devoir de tout musulman l'ayant entendu, de lui dire, yarhamuk Allah, qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Quant au bâillement, il est suscité par Shaitan. Quand l'un d'entre vous bâille, qu'il repousse autant que possible son bâillement. Car en cette circonstance, Shaitan se moque de lui. Hadith rapporté par Bukhari. Shaitan se moque de toi. Il dit à ses amis, regardez, celui-là, je l'ai eu. Je l'ai eu, je vais le faire endormir debout celui-là. Il va tomber maintenant, je vais le faire dormir.
Place, il va ni lire le Coran ni rien. Je vais te faire dormir. Shaitan va dire contraire, il va se moquer de toi. Bah. Et vous avez remarqué ce qu'a dit ici le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand l'un d'entre vous éternue, puis il loue Allah. Il dit Alhamdulillah, il a dit, il est du devoir, c'est-à-dire c'est obligatoire, que chaque musulman qui l'a entendu, qu'il lui dise Yirhamukallah. Non, ce n'est pas une obligation de groupe. Comme si on entend quelqu'un dire Salam alaykoum, mais on est 10. Une seule personne répond, ça suffit. Elle dit Wa alaykoum salam. Une seule personne. Mais dans l'éternuement, non. Chaque personne qui l'a entendu, pas éternuer, mais l'a entendu éternuer et dire Alhamdulillah. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il lui dit? Yarhamukallah. Si on est 10, chacun de nous lui dit Yarhamukallah. Et la personne qui ne lui dit pas Yarhamukallah, elle aura des péchés. Non, pourquoi? Parce que le message de l'a dit. Alors il est du devoir de tout musulman l'ayant entendu de lui dire Yarhamukallah. Cet échange de politesse lié à un détail aussi simple que le fait d'éternuer doit rappeler aux musulmans et aux musulmanes que l'islam a établi des règles qui organisent tout ce qui se rapporte à la vie humaine afin de la parfaire. Subhanallah. Quand tu éternues, quelque chose qui te dépasse, c'est pas toi qui as voulu éternuer. Et on te montre ce que tu dois faire et ce que tu dois répondre. Et quand tu bailles, ça te dépasse aussi. Des fois, tu n'as pas envie de bailler, tu vois quelqu'un bailler, tu bailles. L'islam te montre que tu dois repousser au maximum et mettre ta main devant ta bouche. Et subhanallah, l'adim. L'islam, mashallah. Non. En dehors du fait, certes bénéfique, que ces formules relatives à l'éternuement attestent de l'attention que tout croyant est censé avoir à l'égard de l'autre, elles tendent surtout à l'inciter à évoquer Allah, le Seigneur de l'univers. Non. Tu éternues, tu dis Alhamdulillah. Tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dis Yarhamukallah, le mot Allah. Et toi tu réponds Yaghfirullahu lana wa lakum, ou Yahdikumullahu yuslihu balakum. Même le fait d'éternuer, vite l'islam t'attache et te lie à Allah subhanahu wa ta'ala et à son islam. Non. Quand une musulmane éternue donc, elle dit Alhamdulillah. Ceux qui l'entendent, celle qui l'entend prononcer cette formule lui dit alors Yarhamukillah, si c'est une femme. Elle lui dit Yarhamukillah. Elle ne lui dit pas Yarhamukillah. Non. Yarhamukillah. Alors l'autre lui dit Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Bukhari rapporte à ce sujet que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous éternue, qu'il dise Alhamdulillah, alors son frère ou son compagnon devra lui dire Yarhamukallah, à charge pour lui de répondre qu'Allah vous guide dans le droit chemin et qu'il fasse que votre conscience soit pieuse. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Dire Yarhamukallah est recommandé à l'adresse de celui qui, après avoir éternué, a dit Alhamdulillah. S'il ne dit pas Alhamdulillah, on n'est pas tenu à lui dire Yarhamukallah. Le prophète alayhi sallam a dit, quand l'un d'entre vous célèbre les louanges d'Allah après son éternuement et dit Alhamdulillah, présentez-lui vos souhaits en disant qu'Allah t'accorde ta miséricorde. Yarhamukallah. Si par contre il ne dit pas Alhamdulillah, ne les lui présentez pas. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Et Bukhari Muslim rapporte que Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu a dit, deux hommes ont éternué en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui adressa son souhait de miséricorde à l'un sans l'adresser à l'autre. Ce dernier dit alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un tel a éternué, tu lui as dit Alhamdulillah. Mais quand j'ai éternué, tu ne m'as rien dit. Il répondit, alayhi sallam, celui-ci a dit Alhamdulillah. Quant à toi, tu n'as pas dit Alhamdulillah. Voir, Sharh Riyad Salihin, Nawawi, page 448. Non. Et, maintenant, si quelqu'un a entendu quelqu'un éternuer, mais ne sait pas s'il a dit Alhamdulillah ou pas. Non. Il peut faire, comme a fait Abdullah ibn Omar. Hadith dans le Fath al-Bari, Ibn Hajj al-Asqalani a dit sahih,
ou bien bon, ou bien Hassan, il a dit, Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu a entendu quelqu'un éternuer qui était loin de lui dans la mosquée, dans un coin dans la mosquée. Que lui a dit Abdullah ibn Omar? Il lui a dit, Yarhamukallahu in hamit. Yarhamukallah in hamit. Si tu as dit Alhamdulillah. Moi je t'ai dit Yarhamukallah. Si tu as dit Alhamdulillah. Ça veut dire je t'ai pas entendu. Mais je ne sais pas. Si tu as dit Alhamdulillah, donc Yarhamukallah va s'appliquer sur toi. Si tu ne l'as pas dit, ça ne va pas s'appliquer. Ça, donc on peut le faire comme ça. Hein, quand quelqu'un est loin. D'ailleurs, ce sera pour lui une façon de lui faire invoquer Allah Azza wa Jal. Peut-être il a éternué, il n'a pas dit Alhamdulillah. Pour qu'il se rappelle, on lui dit Yarhamukallah si tu as dit Alhamdulillah. Non. Et je rappelle que les règles qu'on doit dire, ce sont trois. Non. Quand quelqu'un éternue, non. Quand quelqu'un éternue, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Alhamdulillah. Ou bien Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ou bien Alhamdulillah ala kulli hal. Ces trois versions, toutes les trois se trouvent dans Sahih al-Jama' de Sheikh al-Albani rahimahullah. Je répète, quand quelqu'un éternue, il choisit entre l'une de ces trois versions. Il dit Alhamdulillah, ou bien Alhamdulillah Rabbil Alamin, ou bien il dit Alhamdulillah ala kulli hal. Il y a une autre version qui est dans Abu Daoud, elle est un peu longue. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan. Vous connaissez le hadith où il y a des anges qui se sont disputés pour prendre cette parole vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le plus simple, c'est de dire Alhamdulillah, ou bien Alhamdulillah Rabbil Alamin, ou bien Alhamdulillah ala kulli hal. Et quand on répond, je connais deux façons de répondre. Ou bien on lui dit Yarhamukallah, si c'est une femme, on lui dit Yarhamukillah, si c'est un homme, Yarhamukallah. Hein? Et l'autre, qu'est-ce qu'il répond? J'ai dit, il y a deux façons de répondre. Ou bien il dit Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ou bien il dit Yaghfirullahu lana wa lakum. Yaghfirullahu lana wa lakum. Les deux se trouvent aussi dans Sahih al-Jama'. Certains croient que cela dépend de la personne. Si la personne est musulmane, on lui dit Yaghfirullahu lana wa lakum. Si elle n'est pas musulmane, on lui dit quoi? On lui dit Yahdikumullahu yuslihu balakum. Moi je dis que cela n'est pas vrai. Que les deux, on peut les dire pour le musulman. Non, les deux, on peut les dire pour les musulmans. Et quand on éternue, il est également recommandé de se mettre la main sur la bouche et d'éviter que l'éternuement ne laisse une forte résonance. Quand tu éternues, tu ne fais pas peur aux gens. Non. Ils vont tous se retourner et ils vont croire que c'est une bombe. Surtout que de nos jours, le musulman, yani, vite, on dit de lui, c'est un terroriste. Non. Il va, yani, dans un bus, il va leur faire peur. Au point où le bus va s'arrêter, ils vont aller au commissariat vérifier qu'est-ce qui s'est passé. On a entendu quelque chose vraiment fort dans le bus. C'est qui? C'est quelqu'un qui a éternué. Ce n'est pas comme ça, bi'idhna azzawaj. Mieux encore, éternué, il mettait la main ou bien une partie de ses vêtements sur sa bouche. Pourquoi? Pour diminuer la résonance de son éternuement. Apporté par Abu Daoud, Tirmidhi, jugé authentique. Hein? Quand on veut éternuer, on met notre main sur la bouche ou bien on met, de nos jours, on a des mouchoirs. On met le mouchoir. Celui qui n'a pas, il met comme ça son vêtement devant sa bouche. S'il est avec des gens, pourquoi? Premièrement, pour atténuer et diminuer la résonance de l'éternuement. Et deuxièmement, c'est très important, pour ne pas mouiller, je ne sais pas comment on dit le verbe, celui qui est en face de moi. Avec ma salive, je risque de le laver, moi. Naam. Et je ne sais pas ce qui va sortir de ma bouche. Naam. C'est pour ça que je dois mettre ma main, ou alors mettre un vêtement, ou alors carrément me retourner du côté où il n'y a pas des gens. Surtout si quelqu'un est malade, il est enrhumé. Hein? Alors il peut vraiment, sans le vouloir, cracher sur le visage des autres. Non. Donc la musulmane doit apprendre les formules relatives à l'éternuement
car il s'agit des formules de politesse recommandées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des formules appartenant aux règles de bienséance islamique qu'il ne faut pas négliger en prétextant leurs motifs apparemment sans importance. Car elles contribuent, rappelons-le, à évoquer Allah azza wa jalla et à manifester son attention vis-à-vis des autres croyants. Vous avez remarqué ce qu'il a dit? Il ne faut pas les négliger en prétextant leurs motifs apparemment sans importance. Comme ça, beaucoup de gens, quand tu veux leur apprendre la sunna, dans les terminements, le bâillement, comment qu'on s'assoit, comment, ils te disent tout ça, c'est pas important. Ce sont des épluchures, comme disent les ikhwan muslimons. Ils disent ce sont des épluchures. Tout ça, c'est rien, ça compte pas. L'essentiel, c'est quoi? Pour voir ce qui se passe à Gaza et tout. Non, ce qui se passe à Gaza, on sait ce qui se passe, les morts d'Ekda. Ça veut dire maintenant, s'il se passe ça, yani, j'apprends pas le din. Classe, je vais m'arrêter, je n'apprends rien. Classe, parce qu'il y a ça. Il y a ça, je fais mon possible d'aider, je fais mon possible de faire des doigts, je fais mon possible d'envoyer des médicaments. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas apprendre mon din. Même sans qu'il se passe cela, il y a des gens qui ne veulent pas apprendre le din. Il n'y a ni. Sans qu'il se passe, avant qu'il se passe ce qui se passe maintenant à Gaza, il y a des gens qui, d'habitude, sans que rien ne se passe, tu leur dis, le messager d'Allah a dit ça, la sunna c'est ça, il te dit, c'est pas le moment. Ça, ce sont des épluchures, l'essentiel, c'est pas ça. Ce sont les épluchures, les savants en disent. Celui qui dit qu'il y a des épluchures en islam, il risque de rentrer dans la mécréance. Non, des épluchures, quelque chose qui vient d'Allah. C'est une kshour. Kshour, c'est des épluchures. Les épluchures, elles vont où? Quand on épluche la banane, où on met les épluchures? Dans la poubelle. Donc cette chose, toi, d'après toi, on va la mettre dans la poubelle. A'oudou billah d'une personne qui dit comme ça. A'oudou billah. Non. Et enfin, pour terminer, c'est très malheureux et désolant. Très malheureux et désolant de dire que, non, certaines personnes, personnes qui sont pas de brain, qui aiment la science, etc. Et quand elles voient quelqu'un éternuer, elles lui disent quoi? À tes souhaits, à tes amours, à tes manchafs, fais tes voeux, la manchaf, qu'est-ce qu'ils disent? Subhanallah, ils sont complexes. Je peux pas, il y a avec moi Jean et Jacqueline, comment je vais lui dire, Yerhamoukallah, ça se fait, j'ai hype ça, j'ai honte. Mais à tes amours, c'est pareil. Non, ça fait rien. À tes amours, oh, je suis civilisé. Masha'Allah, je suis civilisé, moi. Je dis à tes amours, à tes souhaits. Nam. Subhanallah. Adar Allah, ma shafa'at. Nam. Quand l'islam faiblit dans les cœurs des gens. Mais il y aura toujours des gens, nam, qui aiment la sunna et qui la défendront et qui ne seront pas complexés et qui la propageront, bidna ta'ala, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah Azza wa Jal. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse qu'on soit deux. Et qu'il fortifie notre cœur et notre foi, et qu'il raffermisse notre cœur. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Mettez le Coran, inshallah ta'ala, on se rencontre dans 5 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tayyib, Oumariam, inshallah, tu me suis avec le numéro 1. Naam, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. On va commencer, inshallah ta'ala, les questions-réponses. Comme d'habitude, on va prendre deux personnes du Paltok et une personne du Linspeak, bi'idna azzawajal. On va commencer, inshallah ta'ala, par Aïcha 30. Tafadlali. Salam alaikum, ya shaykh. Barakallahu fikum pour les cours. Qu'Allah vous préserve, est-ce qu'il y a un hadith qui interdit de mélanger, consommer le poisson avec les produits laitiers? Barakallahu fikum. Je dis wa alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. J'avais oublié de prendre le micro dans le pastor. Il n'y a aucun texte en islam, que ce soit hadith ou bien ayah, qui interdise de mélanger les produits laitiers ou bien le lait avec les poissons, qu'ils soient du lait ou bien du petit lait ou bien du lait caillé. Mais ces choses ont été prises de quelques règles en arabe où autrefois on disait la ta'kouli samak wa tashrab al-laban. La deuxième phrase la ta'kouli samak wa tashrabu al-laban. Et la troisième la ta'kouli samak wa tashrab al-laban. Certains ont cru que c'était un hadith ou là alors que
C'est juste quelque chose en arabe. C'est permis de boire le lait et de manger le poisson. Mais toutefois, il faut voir si la personne n'est pas allergique. Car il y a des personnes qui, lorsqu'elles font cela, elles ont comme ça, comme des boutons sur la peau, ou là, la fièvre, ou là. Cela dépend donc seulement de la personne. Non. Mais pas d'interdiction en islam. Fadal, prochaine question à Doussour, ou la Doukour, Allahu A'lam. Et celles, les personnes auxquelles on a répondu, qu'elles descendent leurs mains, barakallahu fihum. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Jazakumullah khairan. Pour tout ce que vous nous avez apporté et aussi aux frères et aux sœurs qui vous aident, mashallah. J'aimerais savoir si c'est vrai qu'il y a un hadith qui dit qu'il ne faut peigner sa barbe ou ses cheveux qu'une fois par jour. J'aimerais savoir si c'est vrai qu'il y a un hadith qui dit qu'il ne faut peigner sa barbe ou ses cheveux qu'une fois par jour. Tafadhal, cher. Il n'y a aucun hadith en ce sens. Non, il n'y a aucun hadith en ce sens qui dit que il faut se laver ses cheveux ou bien sa barbe ou bien la teinter, yani, une fois seulement par jour. Non. Mais il y a un hadith qui dit que de temps en temps, il faut, yani, ne pas se peigner les cheveux. Comme il y a un hadith qui dit que de temps en temps, il faut quoi? De temps en temps, il faut marcher pieds nus. Ces deux hadiths-là, c'est dans le but pour montrer aux musulmans qu'il ne doit pas donner une importance, yani, à lui-même et à ses cheveux, à sa tenue vestimentaire, à ceci, au point où ça devient une adoration. Non, je vais rester des heures et des heures en train de me peigner. Mais de temps en temps, ça ne fait rien, je ne me peigne pas, je ne vais pas sortir, je suis à la maison. C'est pas obligé de rester des heures et des heures comme ça, yani tout le temps en face de quoi? En face du miroir. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, plusieurs fois, il allait de sa maison vers la mosquée pieds nus. Regardez Cheikh Ibn Uthaymeen, et lui-même il disait que quelques-uns croyaient que j'étais fou, bien sûr. Comment se fait-il celui-là, yani, il marche à pied, hein? Mais c'était juste la sunna pour yani que tu touches le sol avec tes pieds pour que tu saches que malgré tout, si tu es un savant, tu es le plus beau, tu es le plus riche, tu es tout ce que tu sais, mais que yani, tu dois revenir vers cette terre, ce sol que tu dois toucher maintenant, tu dois être modeste, non, car tu vas rencontrer Allah, que tu le veuilles ou pas. Non. Tayyib. Inch'Allah, le suivant, Tfadhal. Ibn al-Qayyim, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il y a dans le whisper. Donc, où est celui qui va lire? Bon, on explique la question de Mariam. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans l'ISPIC pour la lire? Fadlal ibn al-Qayyim, lève la main pour que je te vois, Inch'Allah. Je ne te vois pas dans l'ISPIC. Ta Fadlal, lis là sur Pâle. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikoum pour le temps que vous nous accordez. Qu'Allah vous préserve de tout mal. Amin. Ma question, une sœur demande-t-elle, projette d'écrire un livre pour tous les petits-enfants sur Allah Ta'ala. Car dans les pays non musulmans, les enfants lisent souvent des contes de fées, etc. Allah Musta'an. Elle demande si c'est autorisé et si oui, lorsqu'il y a des images d'oiseaux, doit-elle les effacer les yeux? Excusez-moi pour les deux questions. Tafadhal, cher. Salam, rahmatullah wa barakatuh. De toute façon, je ne sais pas pourquoi, je ne vois qu'une seule question. Celle des animaux, est-ce qu'elle doit effacer leurs yeux? J'essaie de voir s'il y a une deuxième question que je n'ai pas remarquée. Une sœur demande un projet d'écrire un livre pour les tout petits enfants sur Allah Ta'ala, car dans les pays musulmans, les enfants lisent souvent des contes de fées, etc. La moustache. Elle demande si c'est autorisé. Ah, elle demande si c'est autorisé. Et si oui, lorsqu'il a des images d'animaux, doit-elle effacer les yeux, etc. Non. Pour écrire quelque chose sur Allah Ta'ala, c'est normal. C'est normal qu'il puisse écrire quelque chose de bien si elle écrit quelque chose pour aider les enfants, pour les guider, pour leur donner ce qui est à la place des contes de fées, ce qui est à la place de Blanche-Neige, ce qui est à la place des sept nains.
ce qui est à la place de Cendrillon, ou là, comment il s'appelle, l'âme, c'est mieux si maintenant ce qu'elle va donner est quelque chose d'authentique. C'est pour ça que quand elle va écrire quelque chose là, elle doit la faire montrer à quelqu'un qui a de la science. Pour ne pas tomber dans l'autre chose, c'est d'apprendre aux gens des choses au nom de l'islam et qui ne font pas partie de l'islam. C'est la chose la plus importante. Quant à la deuxième chose, pour les animaux, même quand elle enlève les yeux, même quand elle enlève les yeux, l'animal reste toujours l'animal. Non, l'animal reste toujours l'animal. Parce que le fait d'enlever les yeux ne suffit pas. Non, il faut enlever la tête. Comme ça dit d'ailleurs le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit la photo c'est la tête. La photo c'est la tête. Non. Non. Ensuite, je demande à ceux qui savent combien est le nisab en France cette année. Combien est le nisab de la zakat en France cette année? Celui qui sait, inshallah, il me répond. D'ailleurs, je dis à la sœur qui a demandé quel est le nisab. Si on ne va pas me répondre dans la salle, si on ne va pas me répondre dans la salle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à quelqu'un qui vend de l'or. Elle lui dit c'est combien le gramme d'or quand il fait 24 carats. C'est combien son prix, le gramme d'or. Quand il lui dit, par exemple, je donne un exemple, il lui dit c'est 10 euros, par exemple. Elle multiplie 85 grammes par 10. Ça donne combien? Ça donne 850. Donc c'est 850 euros. C'est comme ça qu'elle fait. Elle demande quel est le prix d'un gramme d'or, 24 carats. Ensuite, le gramme d'or, elle le multiplie par 85 grammes. 85 grammes d'or, c'est le nisab, inshallah ta'ala. Si quelqu'un connaît le nisab, qu'il nous le dise, inshallah ta'ala. Mouhidin, tafadhali, pour ta question. Salam alaikum. Bismillah. Est-il permis en France de porter plainte aux autorités en sachant qu'ils font partie des Tawarites? Barakallahu fikoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Sauf les takfiriyon disent qu'il n'est pas permis. Naam. En France, quand tu es dans un pays où on t'a lésé et on t'a fait du mal, il est permis de déposer plainte contre quelqu'un dans un commissariat ou n'importe où. En ayant deux choses. La première, tu détestes cette chose dans ton cœur, tu la détestes. La deuxième, tu es dans la daroura, tu n'as pas autre chose. Bien sûr, il fallait faire la hijra, etc. Ça, c'est autre chose. Celui qui ne la fait pas et qui peut, il a les péchés, et celui qui ne peut pas. Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et troisième des choses, c'est lui, c'est cette personne auquel tu vas te plaindre qui doit aussi appliquer la charia. C'est lui, quand tu lui dis quelqu'un m'a volé, normalement il va lui couper la main s'il a dépassé le cas Rob'a dinar, un quart de Rob'a dinar, un quart de dinar en or. Maintenant, si c'est lui, il l'a mis en prison, c'est de sa faute à lui. Mais c'est ce qu'on appelle Naam, yani Abdar Yuzel, même contre un musulman. Naam, même contre un musulman. Le musulman lui-même qui t'a lésé n'a pas appliqué la charia. Celui qui t'a lésé, ou t'a volé, ou t'a insulté, celui-là, est-ce qu'il a appliqué la charia? Lui-même, il ne l'a pas appliqué. Naam, c'est le premier qui n'a pas appliqué la charia. Naam. Tfadl, inshallah, le suivant. Naam. Le temps, inshallah, de faire la hijra et d'aller porter plainte dans un tribunal musulman, bi'idhnillah ta'ala. Firouz Ad-Dilmi, c'est à votre tour, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense pour la science de ce cours. Amin. J'ai ma sœur qui est dans la room qui vous dit qu'elle bâille très souvent, même des fois toutes les 5 minutes. A-t-elle du haïn, comme vous avez dit, et que doit-elle faire? Aussi, Shir, elle a 18 ans, fait la salat, mais ne met pas le hijab, s'habille comme les filles de France et préfère aller à l'école que de se voiler. Faites-lui nasiha, Inch'Allah. Amin. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. En ce qui concerne le bâillement, j'ai dit que quelqu'un qui bâillait beaucoup, et sans raison, n'a il a été prouvé à 90%, 90% des cas, c'est quoi? C'est le mauvais œil.
C'est le mauvais œil. C'est pour ça que la personne qui yani, sait que c'est l'autre personne qui l'a frappé d'un mauvais œil, elle doit lui demander de faire des ablutions. Ensuite, elle se lave, comme vous savez, avec ses ablutions. Elle fait le grand lavage avec les ablutions de la personne qui frappe du mauvais œil. Sinon, comme vous savez, elle peut yani, lui prendre un de ses vêtements juste pour le mettre dans de l'eau jusqu'à ce qu'il bouillir. Ensuite, elle se lave avec cette chose. Mais bien sûr, elle lui rend son vêtement car en islam, on ne vole pas. Non, ça, c'est quand on connaît la personne. Mais si on connaît la personne, si on ne connaît pas la personne à fond, on doit faire quoi? On doit faire une petite ruqya. Si on se la fait à soi-même, sinon on peut mettre comme ça des cassettes devant soi, de Coran, et d'écouter beaucoup, surtout le Baqara. Sinon, si on trouve une sœur, par exemple, qui sait faire la ruqya, on lui demande de nous faire la ruqya. Mais aussi, cette personne et toute personne, pour se préserver du mauvais œil, elle doit beaucoup faire les invocations du matin et du soir. Les invocations du matin et du soir pour éviter le mauvais œil, éviter le sihr et éviter tous les maux en général. Quant à la sœur qui yani, s'habille comme s'habillent les gens, ou là, comme s'habillent les femmes en France, je voudrais seulement lui dire que ce qu'elle fait est vraiment très grave. Et que le fait de s'habiller comme ça veut dire que on veut se priver d'aller au paradis. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux sortes de gens qui n'iront pas au paradis. Il a dit, ces deux sortes de gens, je ne les ai pas encore vus. Et il les a cités. La deuxième sorte, il a dit, des femmes, kessiyet ariyet, des femmes habillées et en même temps nues. Ça veut dire habillées pour elle, elle est habillée. Pour les gens, elle est habillée. Mais chez Allah Ta'ala, elle est nue. Parce que Allah Ta'ala a demandé qu'elle s'habille comme le veut lui, pas comme elle veut elle. C'est pour ça, qu'est-ce que ça veut dire adorer Allah? Je l'adore, ça veut dire je fais ce qu'il veut lui. Ce n'est pas ce que je veux moi. Il m'a demandé de prier, je prie. Il m'a demandé de prier quatre, je ne fais pas trois. Il m'a dit trois, je ne fais pas quatre. C'est lui qui commande. Et celui qui m'a dit fais la prière et fais le jeûne. C'est lui-même qui m'a dit, habille-toi et couvre-toi. Pourquoi ici je lui obéis dans la salate et je lui obéis pas quand il me dit couvre-toi et habille-toi de telle et telle façon? Pourquoi je lui désobéis? Donc je ne veux plus l'adorer comme il veut lui. Je l'adore comme je veux moi. Et ce qui est très grave, c'est que sans qu'elle le sache, elle se prive du paradis car le messager d'Allah a dit, Kessiyet Ariyet, ensuite il a dit, à la fin du hadith, il a dit, La yedkhulna al-jannah. Elles ne rentreront pas au paradis. Wa la yajidna rihaha. Et elles ne trouveront même pas l'odeur. Car il y a les gens, avant de rentrer au paradis, ils commencent déjà à sentir l'odeur du paradis. Mashallah. L'odeur des bananes, l'odeur des jus. Celles-là ne sont même pas l'odeur. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ce grave péché de se découvrir et de se dévoiler. Et demain, bien sûr, elle va beaucoup, beaucoup regretter quand elle sera seule dans sa tombe, quand elle sera seule devant Allah, quand elle verra toutes les personnes aller au paradis et elle se verra yani, jetée en enfer. Ce jour-là, elle criera, oh mon père, oh ma mère, oh mon voisin, oh mon ami, oh mon professeur, oh mon ceci. Personne ne viendra à sa rescousse. Personne ne viendra. Chacun lui dira, nous, on t'avait pas mis les chaînes. On t'a seulement dit de suivre la mode, tu nous as suivis. On t'a pas mis des chaînes. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse le cœur de notre sœur et qu'elle médite aujourd'hui bien le soir avant de dormir, que c'est quelque chose de vraiment grave. C'est ça le vrai avenir. Le vrai avenir, ma sœur, ce n'est pas ta licence ou là ton magistère ou là ton doctorat. Non, ça c'est bien, mashallah, l'islam aime ça. Mais ton vrai avenir, ma sœur, c'est demain. Est-ce que tu seras au paradis ou bien que tu seras en enfer? C'est ça le vrai avenir. C'est ça, c'est ici qu'Allah Ta'ala a dit, limite li hada fal ya'mali al-'amilun. C'est pour cette chose que les gens doivent œuvrer. Comme ça a dit Allah Ta'ala, limite li hada fal ya'mali al-'amilun. Qu'Allah Azza wa Jalla t'aide et nous aide tous et toutes. Tafadhal inshallah le suivant, sinon je crois qu'on doit passer
Aline speak, si je me trompe pas. Reprenez-moi, تفضل. Ibn al-Qayyim, j'attends que tu lises la question, inshallah. Salam alaikum. On m'a parlé des signes de la vie fin du monde de la bête. Mais à quoi ressemble-t-elle? Tafaddal cheikh. Je disais que je suis désolé pour les personnes qui n'ont pas pu rentrer dans le salon car le nombre a dépassé 250 et que le salon ne peut pas prendre plus de 250 personnes car certains croient que c'est nous qui ne voulons pas que les gens rentrent. Ma'ad Allah, je ne vois pas pourquoi, yani je ne voudrais pas que les gens profitent. Mais c'est que le règlement dit comme ça, le salon ne peut pas dépasser 250. Et malgré cela, j'annonce la bonne nouvelle, inshallah ta'ala, mes frères et mes sœurs, qu'il y a un projet, inshallah ta'ala, pour teinter le salon. Le teinter, c'est-à-dire pour qu'il permette deux choses. Pour qu'il permette jusqu'à 500 personnes. Et deuxièmement, c'est plus important pour qu'il permette aux gens qui sont dans les pays arabes d'avoir accès. Car vous savez que quelqu'un qui est en Algérie, ou bien en Égypte, ou là, en Tunisie, ou là, au Koweït, ou là, il ne peut pas rentrer dans le paltok. Ne peut rentrer dans le paltok que celui qui est en Europe, ou bien en Amérique, ou bien en Australie, ou là, ou bien celui qui paye. Donc, inshallah ta'ala, il y a dans le projet de le teinter, bi'idhnillahi azza wa jal, que Allah azza wa jal nous aide. Taïb, quant à la réponse à la question, en ce qui concerne la bête qui va sortir, hein, cette bête, c'est l'un des grands signes. C'est l'un des 10 grands signes. C'est l'un des 10 grands signes de quoi? De la fin du monde. Personne ne sait exactement comment est faite cette bête. Ni à qui, ni à quoi elle ressemble. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle sortira de la tête. أَخْرِجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. Allah Ta'ala va sortir cette bête de la terre. Cette bête va, yani, mordre quelques personnes comme ça, ou les personnes sur leur nez. Mais à quoi ressemble-t-elle exactement? Personne ne le sait. Il n'y a aucun hadith à mes connaissances qui a décrit si elle ressemblait à un lion ou bien à une gazelle. Ou là. Naam, il n'y a rien en ce sens. Wallahu azza wa jal, a'lam. Naam. Fadl, inshallah, le suivant. Salam alaikum, cher. Une sœur récemment convertie éprouve beaucoup de mal avec son mari à avancer dans son dîn. Elle voudrait parler directement, elle a essayé de vous joindre, mais sans succès. Pouvez-vous lui donner un rendez-vous pour un jour et une heure fixe, min fadlikum? C'est très urgent, cher, qu'Allah vous préserve. Et aussi, pouvons-nous avoir des nouvelles pour les cours d'arabe, inshallah? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. D'ailleurs, puisque c'est très urgent, inshallah ta'ala, non, puisque c'est très urgent, inshallah ta'ala, disons demain, inshallah ta'ala, à 14h. Demain, inshallah ta'ala, à 14h, je vais laisser mon téléphone, non, heure algérienne, je crois que c'est la même heure. Demain, inshallah ta'ala, heure algérienne, je vais laisser mon téléphone ouvert entre 14h et 15h. Pendant cette heure-là, entre 14h et 15h, Inch'Allah ta'ala. Naam. Pour les cours d'arabe, on revient toujours vers les cours d'arabe. Naam. Pour les cours d'arabe, Inch'Allah ta'ala. Plusieurs fois, naam, je me dis que là, je vais prendre l'alternative de commencer. Ensuite, je me dis, il faut que je sois sûr de ne pas m'arrêter. Parce que je suis un peu malade et je ne veux pas commencer un projet pareil pour dire 15 jours après ou là un mois, excusez-moi, je suis malade. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaye un peu de le retarder et je me dis que peut-être cette semaine je serai mieux, peut-être le mois prochain je serai mieux et c'est comme ça. Naam. C'est pour ça que je vous demande encore une fois de m'attendre encore un peu. Et disons le maximum 2 semaines. Maximum 2 semaines. Sinon, si je me vois dans l'incapacité de faire, je vous dirai carrément que
je ne peux pas, bi-idhnillah azza wa jal. C'est pour ça que, donnez-moi, inshallah ta'ala, maximum une semaine ou deux, pour avoir, inshallah ta'ala, le dernier mot, bi-idhnillah azza wa jal. Et n'oubliez pas, ne m'oubliez pas, inshallah ta'ala, dans vos doigts. Amin. Fadla le prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahyak Allah, shir. Suite aux événements en Palestine, certainement, inshallah, les musulmans font des doigts pour nos frères et sœurs. Que les miennes ne soient pas acceptées, je peux comprendre. Il y a les imams, les shirs et des gens pieux et les savants qui sont les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ma question, pourquoi a-t-on l'impression que nos invocations ne sont pas acceptées? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En islam, quand quelqu'un, inshallah ta'ala, fait des doigts, hein, ça ne veut pas dire que, s'il est pieux ou là, que Allah ta'ala doit accepter ses doigts. Des fois, Allah ta'ala veut qu'une chose se passe. Par exemple, veut bien sûr, d'une volonté juridique, d'une volonté universelle, pas d'une volonté juridique. Ça veut dire, il veut sans aimer. Comme il a voulu créer le shaitan et il ne l'aime pas. Il veut par exemple qu'il se passe telle et telle chose en Palestine. Nous on va dire, c'est un grand mal, c'est un ceci, c'est un cela. Mais seul Allah Ta'ala sait et nous ne savons pas. D'abord, tous ceux qui meurent, bi'idhnillah Ta'ala, ahsabuhum kadalik, wallahu hasibuhum, naam, ils meurent tués par des juifs. Par des juifs, par des sionistes. Subhanallah l'Azim. C'est ça, bi'idna ta'ala la shahada. Il meurt tué par des sionistes, par des juifs, par des kofars, qui eux-mêmes, les juifs sont connus pour avoir tué qui? Pour avoir tué des messagers d'Allah. Naam. Deuxièmement, personne ne sait. Naam. Donc ceux-là, ceux qui sont morts, ne sont pas des perdants. C'est nous les perdants qui, nous n'avons aucune garantie qu'on va mourir tué par des juifs. On n'a aucune garantie que on va mourir, comme on dit, martyr. Mais eux, alhamdoulilah, ils sont morts tués par les sionistes, hein, que Allah Azza wa Jalla leur écrive ça comme martyr. Deuxièmement, il se peut que cette chose, hein, donne demain, ou là dans un mois, ou là dans 15 jours, ou là dans un an, des choses que nous, on ne savait pas. Comme exactement, lorsque le messager d'Allah Azza wa Jalla a fait la trêve avec les kuffars. Avec les kuffars, la trêve de 10 ans. Naam. Même les compagnons ont dit, Ya Rasulullah, comment tu acceptes cette trêve? Il y a des conditions que si un croyant va vers les kuffars, ils le retiennent. Si un kafir va vers les musulmans, ils le redonnent vers les musulmans. C'est interdit de faire le hajj cette année. N'écris pas Muhammad Rasulullah, écris Muhammad Ibn Abdillah, car tu n'es pas un prophète. Si tu étais un prophète, on t'aurait déjà suivi. Ceci, cela, des conditions, donc apparemment, c'est contre l'islam. Mais c'était le fait al-Mubin. Une année plus tard, le messager d'Allah avait libéré la Mecque avec combien? 10 000 personnes, mashallah, alors qu'ils étaient que 1 000. Et depuis ce jour-là, alhamdoulilah, la Mecque a été libérée. Elle dit deuxièmement. Troisièmement, quand elle dit que les savants, les imams, ils font des doigts, ça n'accepte pas. Non, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, en personne, la personne la plus aimée par Allah, a demandé à Allah une chose, elle ne lui a pas accepté. Quand elle a demandé, est-ce que elle pouvait voir sa mère, qui était mouchrika, quand elle est allée à la tombe, et elle a fait des doigts, Allah Ta'ala lui a accepté quoi? Lui a accepté seulement d'aller la visiter dans la tombe, mais de ne pas lui pardonner car elle était morte, mouchrika. Même le messager d'Allah peut faire des doigts et Allah Ta'ala ne lui accepte pas. Ne lui accepte pas ses doigts. Alors qu'en est-il de nous, de simples imams, de simples savants? Qu'est-ce qu'on est par rapport au, que sont les savants par rapport au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Donc le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout ce qui se passe, tout ce qui arrive aux musulmans, c'est du bien. Naam, c'est du bien. Nous, ce qu'on sait, c'est que naam, les sionistes, naam, ils le paieront, qu'ils le veuillent ou pas. Il viendra le jour où
ils le paieront, comme a dit le message d'Allah, il n'y aura pas la fin du monde sans que arrive le jour où vous allez tuer les juifs. Ils se cacheront derrière les arbres et les rochers, et l'arbre et le rocher dira, viens Abdallah, il y a un juif qui est derrière moi, viens le tuer. Il a dit, sauf al-gharqad, sauf une sorte d'arbre qui s'appelle al-gharqad, celle-là, elle ne sera pas avec les musulmans, c'est pour ça qu'elle ne va pas nous dire, venez, il y a derrière nous un juif. C'est pour ça que certains disent que les juifs sont maintenant en train de planter ces arbres pour ne pas quoi, pour ne pas yani les dénoncer. Non, pour ne pas les dénoncer. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Non. Tafadhal inshallah ta'ala, on passe au suivant. Ensuite, c'est aussi une épreuve, et c'est aussi une épreuve pour nous, pas seulement pour eux. C'est aussi une épreuve pour nous. Qu'est-ce qu'on a fait, Naam? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a essayé d'aider? Est-ce qu'on a été touché? Est-ce qu'on a pleuré? Est-ce qu'on a fait des doigts? Est-ce qu'on a été sensible? Ou bien on a été indifférent? Ou bien... Naam, tout ça, c'est aussi une épreuve pour nous. Naam, une épreuve pour nous. Fadla, Inch'Allah, le prochain. Naam, cher, je suis présent. Il n'y a pas de question qui apparaît. Je ne sais pas, Shir, si on vous a déjà posé cette question, alors je vous demande pardon de vous la reposer. Si c'est le cas, voici ma question. Aujourd'hui, la guerre en Palestine a scandalisé tous les musulmans. J'aimerais que vous m'éclairiez, car je ne comprends pas pourquoi les gouverneurs musulmans n'interviennent pas pour s'opposer à cette guerre, que ce soit par les actes ou médiatiques. N'est-ce pas une humiliation pour les musulmans de voir que c'est Sarkozy qui demande un cessez-le-feu? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander des comptes le jour du jugement dernier pour ne pas avoir soutenu nos frères palestiniens par le djihad? Et que dit la religion à ce sujet? Peut-on conclure que les gouverneurs musulmans sont manipulés ou bien alliés avec les juifs ou les américains? Ibn al-Qayyim, tu n'as pas terminé de dire la question. J'attends que tu termines, Inch'Allah. Jazakumullah khairan, Shir, et pardon pour la longueur de ma question, mais ce sont des questions qui me tiennent à cœur et qui concernent toute la communauté musulmane, et je demande à tous ceux qui nous écoutent de faire des invocations pour nos frères et sœurs palestiniens. Est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. En ce qui concerne, attendez, avant cela, il dit quelque chose. Non? Il y a donc trois ou quatre choses dans cette question. Il y a trois ou quatre choses dans cette question. Non. En ce qui concerne pourquoi les gouverneurs, les gouvernants musulmans, pourquoi ils ne se sont pas yani, révoltés ou là, ils n'ont pas répliqué ou bien quelque chose comme ça. Première réponse. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, na'am, de ce qu'il y a dans leur cœur. De ce qu'il y a dans leur cœur. Certains peut-être par peur, na'am, peut-être d'autres parce qu'ils aiment la dunya, na'am, et peut-être d'autres ou bien beaucoup, je dis Allah a'lam parce que je ne suis pas rentré dans leur cœur, savent que quoi? Que, yani, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts matériellement. Parce que vous savez que, même si supposons un seul pays, voulait par exemple s'impliquer, supposons par exemple que l'Algérie veuille s'impliquer. Où est l'assurance que tous les autres pays vont l'aider lorsque les États-Unis et tous les pays d'Europe vont quoi? Vont s'attaquer à l'Algérie. Car l'Algérie maintenant, qui va répliquer contre les Juifs, c'est sûr que, qui va lui répliquer aussi, pas seulement Israël, mais d'abord les États-Unis, naam, les États-Unis, la tête du dragon, et ensuite toute l'Europe, naam, l'Australie, l'Amérique, tous vont quoi? Se mettre la main dans la main pour frapper l'islam. Ça c'est connu. Et certains vont dire que l'essentiel c'est la foi. Et كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Naam. Mais celui qui a dit ça, ce verset, c'est aussi lui, Azza wa Jal,
القيادي وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله. الله تعالى lui-même a dit que les kuffars, on doit leur préparer de quoi leur faire peur. Il a dit comme ça, turhibuna, de quoi les terroriser. Maintenant, de nos jours, tout le monde sait que le kafir, l'âme, c'est lui qui a quoi? Le côté matériel. C'est lui qui a le nucléaire, celui qui a les dernières bombes, les derniers avions, les dernières fusées, etc. Là, yani, comment ça s'appelle, j'ai dit, l'informatique, comment ça s'appelle, il y a un mot comme ça qui est sur mes lèvres, la technologie. La technologie a dit à la guerre, maintenant, c'est le kafir qui l'a. Et mieux que ça, le kafir ne veut pas qu'elle soit chez les musulmans. Vous voyez les kuffars, ce qu'ils font contre l'Iran, pour que l'Iran n'ait pas le nucléaire, contre la Syrie, contre... Non, pourquoi? Parce que il veut que ce soit lui qui commande. Si tout le monde, si les musulmans aussi les nucléaires, ça va être grave. On sera égaux dans le matériel, donc on va les vaincre parce qu'on a quoi de plus? On a la foi. On a l'aqida, eux ils n'ont pas. Comme eux, ils insistent pour vivre, nous on insiste pour mourir. Et maintenant on a tous les deux le nucléaire, c'est très grave. C'est pour ça qu'ils font tout leur possible pour qu'ils soient toujours les plus forts matériellement. Donc c'est ça la réponse quant au gouverneur. Hein, tout le monde sait que premièrement il n'a pas ce qu'ont les autres. Regardez comment il s'appelle Talirak, celui qui est mort. C'est pas Hafid al-Est. Comment il s'appelle celui de l'Irak? Saddam Rahimahullah. Je dis Rahimahullah parce qu'il est mort en disant La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malgré tout le mal qu'il a fait, regardez, quand on a voulu, subhanallah al-Azim, on a voulu se débarrasser de lui, il en suffit seulement de quelques jours. Alors lui qui, mashallah, avait des armes, mais quand on a voulu, subhanallah al-Azim, se débarrasser de lui, al-Muhim, je veux dire que. Quand tu dis dans la deuxième question, est-ce que Allah Ta'ala va nous juger, etc. Allah Ta'ala va juger celui qui peut, qui n'a pas voulu. Il ne va pas juger quelqu'un qui est faible, quelqu'un comme moi ou là comme toi qui n'a rien. Naam, il va te juger si tu as été indifférent et indifférente. Les gens sont en train de mourir, en train d'être égorgés et tu n'as pas été, yani tu n'as rien senti, tu n'as pas fait de doua, tu n'as pas pleuré. Tu n'as pas dit si j'avais ceci et cela, j'aurais fait ceci et cela, comme dans le hadith, car le messager d'Allah a dit, quiconque meurt sans avoir fait la guerre sainte, naam, sans s'être parlé à lui-même, il a dit, il meurt dans un rameau de l'hypocrisie. Men mata wa lam yarzu, wa lam yuhadith nafsahu bil ghazw, mata ala shu'batin min nifaq, rawa al-Bukhari. Donc au moins la personne se dise dans le cœur, ah, si j'avais ceci, ah, si j'avais cela, ah, si j'avais le nucléaire, ah, si j'avais ceci, alhamdoulilah, naam, c'est tout ce que tu peux faire avec les doigts et aider les gens avec, si tu peux, les médicaments, si tu peux, naam. Mais celui qui peut et qui a les moyens, qui ne fait pas, c'est celui-là que Allah Azza wa Jal lui tiendra quoi? Des comptes. Et nous, alhamdoulilah, là, on va dire aussi, alhamdoulilah, quoi? Alhamdoulilah, qu'on n'est pas les gouvernants. Alhamdoulilah, je ne suis pas un gouvernant, je suis une simple personne. Naam, qui vit avec sa famille et je ne commande en rien. C'est le grand avantage demain devant Allah entre nous, les gouvernés et les gouvernants. Les gouvernants, beaucoup de questions vont leur être posées et ces questions ne nous seront pas posées, alhamdoulilah. Je remercie Allah Azza wa Jal que je ne sois pas un gouvernant. Naam. Voilà en général. Voilà en général. Inch'Allah ta'ala, mais sache que, Inch'Allah ta'ala, que les Américains ou les autres le veuillent ou pas, que c'est l'islam qui triomphera en fin de compte. Que tous les pays d'Europe se joignent pour essayer d'entraver la propagation de l'islam et son arrivée, personne ne pourra faire cela. Car Allah ta'ala a promis que l'islam rentrera dans chaque tente, pas seulement dans chaque maison, mais dans chaque tente, viendra le jour où il se propagera au point où l'islam sera partout, et quoi? Et bien sûr, il n'y aura pas la fin du monde avant quoi? Avant de
tuer, yani de combattre les juifs et de les tuer jusqu'à ce qu'ils se cachent derrière les arbres. Est-ce qu'on n'est pas humilié par Sarkozy, cher? Non, je ne suis pas humilié par Sarkozy, moi. Non, moi, Sarkozy, ce qu'il dit ou là, ça en d'une oreille, ça sort de l'autre. Sarkozy, c'est quelqu'un de, c'est un politicien. Quand moi, ce qu'il dit, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ça m'intéresse, lui, non, c'est un kafir. Il est en train de faire de la politique. Il fait toujours ce qu'il y a. Ce qui est bien sûr ce qui a comment dire au détriment de l'islam. Non, c'est toujours comme ça les kuffars. Il fait tout non, pour que ça soit yani, contre l'islam. Donc même s'il demande cessez-le-feu ou là, il demande je ne sais pas quoi, c'est pas il demande ça pour Allah, c'est pas il demande ça pour aller au paradis, c'est pas il demande ça, il fait ça par quoi? Par politique. Non, pas politique. Il fait ça parce que c'est pour son bien et pour le bien de son pays et pour les intérêts de la France. C'est tout. Non. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Non. Atfadla inshallah al-prochain. Ya hasbouna Allah wa ni'ma al-wakil. Oum Ibrahim 8. Tafadla ali. On attend la question inshallah. Assalamu alaikum, bismillah. Est-il permis de faire des invocations et de lire du Coran durant les assemblées? Entre parenthèses, à part l'invocation d'ouverture et de clôture. Jazakumullah khairan. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je n'ai pas très bien compris quel genre d'assemblée. Je n'ai pas très bien compris quel genre d'assemblée. En principe, quand on commence une assemblée, si on est entre musulmans, et on s'est rassemblé pour quelque chose qui est dans l'intérêt des musulmans, on commence par khutbat al-haja, et on commence par khutbat al-haja, et ensuite, ce n'est pas on lit le Coran par exemple dans l'assemblée, ou là, au milieu de l'assemblée, mais, entre sœurs, naam, un rappel, naam, si on le fait de temps en temps, c'est possible, naam, si on le fait de temps en temps, c'est possible. Non, si on le fait de temps en temps, c'est possible. Mais si à chaque fois qu'il y a une chose, on se bat sur un verset, ça bien sûr, tout le monde, il n'y a aucune personne qui puisse dire que ça ne se fait pas. Non. Sinon, on commence par khutbat al-haja, non, et on termine aussi par subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Si de temps en temps, on lit le Coran, ça ne fait rien. Non, on ne fait pas à chaque fois. Mais on le fait de temps en temps, hein, comme rappel. D'ailleurs, le meilleur rappel, c'est le Coran. Non, mais il ne faut pas le faire à chaque fois. Non, Allah Azza wa Jal alam. Tfadla le suivant, inshallah. Les invocations. Les doigts. Les invocations, on les fait quand il y a une chose. Non, quand il y a une chose qui pousse à les faire. Par exemple, si on a, par exemple, les. Invoquer ce qui se passe dans l'akhir. Ce qui se passe par exemple aujourd'hui, là-bas, et quelqu'un par exemple il a fait des doigts et les autres ont dit Amin, ça ne fait rien. Ça se fait Inch'Allah Ta'ala. Naam. Fadla le prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. J'ai appris récemment que le fait de manquer la salat du Jumu'ah à cause du travail ou de l'école n'était pas une excuse valable. Je suis étudiant et c'est mes parents qui me payent l'école. Ils sont pas d'accord pour que je rate les cours pour aller à la mosquée. Quel est le meilleur comportement à adopter dans cette situation? Est-ce une solution, dans mon cas, de louper la Jumu'ah et d'aller au troisième, comme Allah subhanahu wa ta'ala peut sceller le cœur de celui qui loupe trois fois de suite la salat du Jumu'ah? Est-ce que le fait de lever ses mains vers le ciel juste après une prière obligatoire? Il y a une question par personne, désolé. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, comme dans le hadith authentique, que quiconque rate trois fois la Jumu'ah sans excuse valable, naam, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui scelle, yani le cœur. C'est un hadith authentique, comme vous devez le savoir, bi'idhnillah azza wa jal. Naam. Mais il y a des cas où, par exemple, il est permis de ne pas aller à la Jumu'ah. Par exemple, quand c'est une femme,
ou bien c'est un esclave, ou bien c'est quelqu'un qui n'est pas pubère, ou bien c'est quelqu'un qui est en voyage et même qui, par exemple, n'est pas dans la ville. Mais si quelqu'un est voyageur, ensuite il descend dans une ville et il entend le adhan, il doit aller faire la Jumu'ah, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahoum. Celui-là, il n'a pas d'excuse. Pourquoi? Parce qu'il a entendu le adhan. Maintenant, quand quelqu'un n'a pas autre excuse, c'est quand la mosquée est loin. La mosquée se trouve à des kilomètres de la personne. Si la mosquée se trouve à des kilomètres et des kilomètres, dans ce cas, on doit faire seulement quoi? Salat al-dhor. On doit faire seulement salat al-dhor. C'est pour ça que, je ne sais pas, la personne qui dit comme ça, combien de kilomètres elle se trouve de la mosquée. Je ne sais pas la personne qui a posé cette question. Combien se trouve-t-elle loin de la mosquée? Mais, si la personne est proche de la mosquée, elle doit faire tout son possible pour ne pas rater 3 Jumu'ah. Mieux encore, elle doit faire tout son possible pour ne pas rater aucune Jumu'ah si elle peut. J'ai lu, presque tous les savants sont unanimes pour dire que à cause du travail ou de l'école, ce n'est pas une excuse pour rater la Jumu'ah. Même s'il doit louper un cours ou là, c'est moins grave que de louper une Jumu'ah. Non, si la mosquée n'est pas très loin, je conseille à cette personne, même si elle loupe le cours, de ne pas louper la Jumu'ah bi'idhnillah azza wa jalla. Eh, non. Toi, quand tu loupes le cours, tu ne vas pas dire à tes parents que tu as loupé le cours. Et après, eux, quand ils le savent, c'est trop tard. Mais toi, alhamdoulilah, tu as ravi Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as fait ta Jumu'ah. Allah azza wa jalla va, yani, va faire quelque chose sur leur cœur pour qu'ils acceptent cela. Non. En ce qui concerne et qu'ils peuvent me renvoyer du domicile familial, non, pas à ce point. Non, pas à ce point. S'ils te renvoient du domicile familial, ça devient quelque chose de grave. Je ne dis pas à ce point. Pour ce qui concerne lever les mains après la salat, ce n'est pas dans la sunna. Quand quelqu'un termine la salat, il dit seulement Astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya al-jalal al-ikram. Il dit par exemple Ayat al-Kursi, si c'est le maghrib ou bien subh, il dit trois fois qul huwallahu qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas trois fois. Ensuite il fait le tasbih. Naam. Et il se lève. Ce n'est pas la peine qu'il lève les mains ni qu'il s'essuie avec le visage, ni qu'il s'essuie avec le visage. Naam. C'est ça la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais les savants ont dit, si des fois, ils lèvent les mains après la salat, non pas que c'est à cause de la salat, mais c'est parce que après avoir terminé la salat, il s'est par exemple rappelé une chose. Il s'est rappelé par exemple que son frère est malade ou la ceci ou là, qu'il allait passer un examen et il a levé les mains. Il a dit, dans ce cas, ça ne rentre pas dans la bid'a. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas levé les mains à cause de la salat. Mais il a levé les mains parce qu'il s'est rappelé, c'est tout. C'est comme s'il était dans la cuisine et il s'est rappelé une chose. Il a levé les mains et il a fait les doigts. Dans ce cas, c'est possible. Quand tu as passé les mains sur le visage et s'essuyé avec, naam, c'est un hadith faible. C'est pour ça que certains ont dit que ça rentrait dans la bida. C'est mieux de ne pas s'essuyer le visage. Dès qu'on lève les mains et on termine les doigts, on descend nos mains. Naam, carrément. Salam alaikum. Un frère qui veut se marier désire voir une sœur qui est convertie et qui n'a pas de tuteur. Peut-il la voir avec la présence d'une tierce personne, par exemple la mère du frère, et pourra-t-il lui parler pendant cette rencontre? Expliquez-nous, barakallahu fikoum, comment faire dans un cas comme ça. Inch'Allah ta'ala, peux-tu répéter la question? Jazakallah khairan, tafadhal. Salam alaikum. Un frère qui veut se marier désire voir une sœur qui est convertie et qui n'a pas de tuteur. Peut-il la voir avec la présence d'une tierce personne, par exemple la mère du frère, et pourra...
Pourra-t-il lui parler pendant cette rencontre? Expliquez-nous, barakallahu fikoum, comment faire dans un cas comme ça. Dans la question, dans un cas pareil, il peut par exemple demander à sa mère de l'inviter chez elle. Elle invite cette femme, il la lui montre dans la rue, lui dit c'est celle-là la convertie, elle va chez lui, elle lui parle. Et quant à lui, il la voit dans la rue. Lui, le fait de la voir dans la rue, ça lui suffit. Il l'a vue. Maintenant, c'est sa mère qui va la voir. Où est-ce qu'elle va la voir? Elle peut lui l'inviter par exemple chez elle. Et comme ça, elle la voit. Elle la voit et ensuite, si lui et sa mère sont d'accord, si lui et sa mère sont d'accord, ils font le nouveau pas où elle la convertit. Elle doit chercher quelqu'un qui va quoi? Qui va la représenter. Elle va chercher par exemple quelqu'un de la famille ici, un musulman, sinon un imam qui va, Inch'Allah ta'ala, la représenter. Et ensuite, ils font la muqabala avec elle et lui et l'imam par exemple. Celui qui va, non, un tuteur, c'est ça. Il va devenir son wali, bi'idhnillah azza wa jal. Mais d'abord, il commence par sa mère, c'est sa mère qui la voit, ensuite. Peut-être qu'elle ne va pas plaire à sa mère, on ne sait jamais, etc. Et si ça avance, elle choisit, Inch'Allah ta'ala, un tuteur pour qu'il puisse faire la muqabala et ensuite, Inch'Allah ta'ala, le mariage. Naam, tfadhal. Salam alaikum. J'ai lu récemment que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dit qu'une mosquée qui n'appartient pas à des musulmans, à une mairie par exemple, n'a pas le statut de mosquée. J'aimerais avoir une explication approfondie, inshallah. Jazakumullah khairan. Walaykoum salam, ce qu'a dit le frère, je ne l'ai pas rencontré dans les livres de Cheikh Ibn Uthaymin. C'est pour ça que j'ai peur qu'il a été mal compris. C'est pour ça que je demande à ce frère où se trouve cette chose, pour que je la lise en arabe. Pour que je la lise en arabe, pour te dire, Inch'Allah ta'ala, exactement ce que veut dire Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Non. Et le temps que le frère nous dise où se trouve cette chose, non, on passe, Inch'Allah ta'ala, je crois à l'inspeak. Si c'est oui, dites-moi oui, Inch'Allah. Non. On est passé à l'inspeak, on attend Nam 23, Inch'Allah. Sinon, on passe à Saliha. Est-ce que Nam 23 est avec nous? Alhamdulillah. Ibn al-Qayyim, tu dis, Inch'Allah ta'ala, quand le frère termine, il écrit numéro 1. Salam alaikum. Qu'Allah vous préserve. Allahumma amin. Je travaille de temps en temps en tant que livreur et je prends plusieurs fois mon véhicule pendant mon service. Est-ce que je dois lire la doha de la monture à chaque fois que je prends mon véhicule ou une seule fois au début? Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Une fois au début, Inch'Allah ta'ala, ça suffit. Une fois au début, Inch'Allah ta'ala, ça suffit. Ensuite, à chaque fois qu'on prend le véhicule, on dit Bismillah. Naam. Ensuite, à chaque fois qu'on prend le véhicule, on dit Bismillah. Naam. Fadlan, Inch'Allah, le suivant. J'ai la question de. C'était à. Comment ça s'appelle? À Jibril, parce qu'elle nous avait prévenu qu'elle avait perdu son tour. Donc je vais lire sa question. Salam alaikum. Voici la question d'une sœur. Je fais toutes mes prières, alhamdulillah, mais j'ai un souci avec la prière de. La prière du soir. Je n'arrive pas à la faire à l'heure. Parfois je dors avant et je me réveille dans la nuit pour la faire. Le problème, c'est que parfois il m'arrive de la faire 20 minutes avant la prière du matin. Ma prière est-elle acceptée ou est-elle vraiment invalide? Barakallahu fikoum. Walaykoum salam rahmatoullah wa barakatuh. Pour la prière de la nuit ou la prière du soir ici, ça veut dire salat al-Isha si j'ai bien compris. Ça veut dire salat al-Isha si j'ai bien compris. Salat al-Isha, il faut faire tout son possible pour la faire à l'heure. Et le fait de laisser salat al-Isha jusqu'à
ça reste 20 minutes avant salat al-fajr, ça devient une salat invalide. Ça devient une salat invalide et on a des péchés et on a fait aussi un grand péché. C'est pour ça que salat al-isha doit se faire dès que, à l'horizon, tout est devenu noir. Il y a de l'obscurité à l'horizon. Il n'y a plus la couleur rouge comme ça. Il n'y a plus à l'horizon. Dans ce cas, c'est, comme on dit en arabe, idaraba shafaq al-ahmar. Dans ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'heure de l'Aïcha. Et l'heure de l'Aïcha, quand est-ce qu'il se termine? Il se termine au milieu de la nuit. Ensuite, du milieu de la nuit jusqu'à Salat al-Fajr, naam, du milieu de la nuit jusqu'à Salat al-Fajr, c'est terminé l'heure de l'Aïcha. Celui qui l'a fait entre minuit et Salat al-Fajr, il l'a fait avec des péchés. Ce n'est plus en son heure. Et comment savoir c'est pourquoi le milieu, c'est quand le milieu de la nuit? On cherche c'est quand le Maghreb. Car la nuit commence le Maghreb. Supposons que le Maghreb, je dis supposons, c'est tout. Supposons que le Maghreb c'est à 18h. Et Al-Fajr, c'est à 6h du matin. C'est un exemple. Je vais compter de 18h à 6h. Combien qu'il y a? 18, 19, 20, 21h, 22h, 23h, minuit. Ensuite, 6h. Il y a 11h. Nam. Je divise 11h par 2, ça donne 5h30. J'ajoute de 6h, qui est Salat al-Maghrib, j'ajoute 5h30. Ça donne 11h30 du soir. 11h30 du soir, c'est terminé Salat al-Isha. Celui qui l'a fait avant 11h30, après 11h30, il l'a fait avec des péchés. Ça, c'est un exemple, c'est tout. Donc, la sœur, inshallah, doit faire tout son possible pour faire la salat avant de dormir. Non, la salat, elle est en son heure et ne dormir qu'après avoir fait Salat al-Isha. Et qu'Allah Ta'ala lui pardonne, il y a des moments où elle avait fait 20 minutes avant Salat al-Fajr. Amen. Fadal, inshallah, le suivant. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, ya cheikh. Quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui n'a pas beaucoup de moyens et qui économise pour le Hajj, mais qui souhaite également aller étudier l'arabe dans un pays musulman et essayer d'y rester, inshallah? Quelle est la priorité? Barakallahu fikoum. Salam wa barakatuh. J'étais en train de lire la fatwa. Est-ce que, inshallah ta'ala, le frère pourrait relire la question? Avant cela, avant qu'il relise la question, je réponds au frère qui a posé la question ici, Talib Drain, sur la question de Cheikh Ibn Rothaymin, l'Armou. Naam, quand il cherche sa question, c'était quoi d'abord sa question? Il n'a pas beaucoup de monsieur, allez. Monsieur, Inch'Allah Ta'ala, je cherche sa question pour la relire, car je ne l'ai pas devant moi. Salam alaykoum, j'ai lu récemment que Cheikh Al-Temi a dit qu'une mosquée qui n'appartient pas à des musulmans, qui n'appartient pas à des musulmans, une mairie par exemple, n'a pas le statut de mosquée. J'aimerais avoir une explication approfondie. Jazakumullah khairan. Naam, alhamdoulilah que j'ai lu la question. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que le frère n'avait pas compris. En fait, le frère n'a pas bien compris ce qu'a répondu Cheikh Ibn Uthaymeen Lahmou. Cheikh Ibn Uthaymeen Lahmou, on lui a posé la question sur le fait, par exemple, est-ce que ça compte comme une mosquée? Et, par conséquent, on doit faire, par exemple, la prière de, je ne sais pas comment on appelle ça, quand on rentre, la prière de la salutation, et que ça compte comme mosquée. De sorte que la femme qui a les monstres ne peut pas y accéder, ou bien ça ne compte pas comme mosquée. Il a dit, ça n'a pas le statut de la mosquée. Ça veut dire, quand tu rentres là-bas, c'est pas la peine de faire la prière de la salutation. Et quand tu rentres là-bas, la femme qui a des monstres, elle peut rentrer. Ce n'est pas une mosquée. Mais, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une mosquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la salat. La salat est acceptée, la salat du mois est acceptée, etc. Non, ça n'a rien à voir. Il parlait seulement du statut de est-ce que c'est une vraie mosquée ou c'est pas une vraie mosquée. Mais la salat est acceptée et valide, bi'idna ta'ala, c'est autre chose. Naam. Est-ce que c'est compris, Talib Al-Ain, le frère, est-ce que c'est compris? Voilà, ça enlève le hukm, voilà, ça enlève le hukm, ça veut dire on peut vendre, on peut rentrer avec les monstrues, on peut ne pas faire tahiyat al-masjid, et comme ça. Mais toutes les salats qu'on fait,
elles sont valables bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Dis inshallah la question de ce qui est venu d'après. Salam alaykoum Cheikh. J'ai lu récemment que Cheikh... Non, astaghfirullah. Salam alaykoum wa rahmatullah Cheikh. Quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui n'a pas beaucoup de moyens et qui économise pour le Hajj, mais qui souhaite également aller étudier l'arabe dans un pays musulman et essaye d'y rester, inshallah. Quelle est la priorité? Barakallahu fikoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. La priorité, c'est le Hajj. La priorité, c'est le Hajj. Le Hajj, subhanallah, ça rentre dans quoi? Ça entre dans les grandes adorations. Ça entre dans les piliers, subhanallah, les cinq piliers, le Hajj. Naam. Il est beaucoup, beaucoup plus obligatoire que l'arabe. Si quelqu'un a les moyens de faire le Hajj, il ne doit jamais y aller attendre et dire non jusqu'à ce que j'achète une voiture, jusqu'à ce que je fasse ceci, jusqu'à ce que j'achète une maison. Jamais. Comme a dit le prophète, il a dit Stajilo, Tajilo bil Hajj. Le messager d'Allah a dit, yani, faites votre possible pour aller vite au Hajj, dès maintenant, dès que vous avez les moyens. Il a dit parce que on ne sait jamais ce qui va se passer. Et naam, c'est vrai, quelqu'un peut tomber malade, quelqu'un peut tomber paralysé, quelqu'un peut être emprisonné, quelqu'un. Naam, c'est une occasion en or qu'il ne faut pas rater. Chaque personne qui a les moyens d'aller au Hajj, elle ne doit pas hésiter. Surtout que quoi? Surtout que les occasions yani, peuvent ne pas revenir. Les occasions peuvent ne pas revenir. C'est pour ça qu'on ne doit pas faire comme font certaines personnes qui disent « Je suis jeune. Naam, je suis jeune maintenant, j'attends que je devienne vieux ou que je devienne vieille pour aller au Hajj. » Tout ça, c'est des bid'a et des khurafats. Dès que quelqu'un a les moyens, même s'il a 16 ans, même s'il a 17 ans, le mohim, il est pubère, il doit aller au Hajj. Et d'ailleurs, quand on va au Hajj jeune, c'est mieux que d'aller vieux. Quand tu es jeune, mashallah, tu es fort, tu es puissant, on ne te fait pas tomber là-bas, on ne t'écrase pas, tu es mashallah, tu es dynamique. Et quand tu pars à l'âge de 70 ans, 80 ans, là, c'est difficile pour toi. Tu es malade, on doit te prendre sur le dos, on doit... Non, voilà ce que je veux dire, inshallah ta'ala. Tfadla, inshallah, une autre question. Rokia, ça soigne, ça va trop tôt, inshallah. Samia, ça va votre retour, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-il vrai qu'il est interdit d'avoir des rapports fécondants alors qu'une femme allaite? Et est-il obligatoire d'allaiter 2 ans? Barakallahu fikum shir. Naam, wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Il n'est pas interdit d'avoir des rapports fécondants quand une femme allaite. Même quand une femme allaite, il est permis d'avoir des rapports avec elle pour avoir des enfants. Même si la femme allaite, même si elle est en grossesse. Hein, c'est la même chose. Car le messager d'Allah a dit que certains gens ont dit que yani, ça se faisait pas grave. Il leur a répondu que ça se faisait. Il a dit que si ça faisait mal, ça aurait dû faire mal aux Perses. Force. Et ceux-là, ils font cette chose. Et rien ne leur est arrivé. Donc c'est permis pour une femme d'allaiter, ou là, qui est en grossesse, d'avoir les rapports avec son mari. Et pour celle qui est en grossesse, ça lui est permis même la dernière semaine. Même s'il reste 2 jours avant d'accoucher. L'essentiel, c'est seulement elle peut ou elle peut pas, c'est tout. Ça revient à elle, c'est tout. Naam. Quant à l'allaitement, en fait, je voudrais corriger que beaucoup de personnes, Annie, il me paraît, ou là, beaucoup de sœurs, n'ont pas beaucoup de haine, beaucoup de science dans l'allaitement. C'est pour ça que on va trouver dans l'allaitement qu'il y a 3 catégories de gens. Celles qui croient, les personnes qui croient que l'allaitement, naam, est obligatoire. Naam, il dit c'est obligatoire d'allaiter. Et celles qui croient que c'est obligatoire d'allaiter pendant 2 ans. Il faut 2 ans. Et celles qui croient que il n'est pas permis d'allaiter plus de 2 ans. Et moi, je veux dire que l'allaitement, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit, l'Ibn
والمرضعات. اتوندي جو شيرش لو فيرسي سي لو با كومون كومون. ويرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. الله سبحانه وتعالى veut dire dans ce verset que si tu veux allaiter, la meilleure façon, il te montre la meilleure façon et la meilleure situation pour ton bébé, c'est de l'allaiter 2 années. Mais Allah Ta'ala n'a jamais dit qu'il fallait allaiter 2 années. Si tu veux allaiter 4 mois, ensuite t'arrêter et lui donner du lait de poudre ou de le donner à une autre femme qui l'allaite ou là, ça revient à toi. Allah subhanahu wa ta'ala veut te dire que la meilleure chose pour la femme et pour le bébé, pour sa santé, c'est qu'il soit allaité 2 années. Naam, mais il n'a pas dit que c'était obligatoire. Il a dit celui qui veut terminer l'allaitement, qu'il le fasse 2 ans. Pour le bébé, 2 ans, c'est mashallah. Mais il n'a pas dit aussi que celui qui veut allaiter plus de 2 ans, c'est interdit. Il n'a pas dit. Moi, je connais des femmes qui, elles ont le bébé qui a 4 ans et qui allaitent toujours. 4 ans, naam. 4 ans, il boit toujours son lait et il veut toujours la poitrine de sa mère. Naam, ce n'est pas interdit. Cela revient à toi. Allah Ta'ala te montre que, yani, si tu veux un bon bébé, bien nourri, en bonne santé, etc., laisse-le allaiter 2 années. Mais si toi tu veux pas, ou là tu n'as pas de lait, ou là ça te fait mal, ou là pour des raisons diverses, mouhim, le bébé ne doit pas mourir. Le bébé doit être allaité par une autre femme, ou là par du lait de poudre, ou là, mouhim, l'essentiel, c'est qu'il soit en bonne santé, c'est une amana qui est chez toi, c'est un dépôt qui est chez toi. Ce n'est pas à cause de ta... pour garder une belle poitrine, ou là tu vas le laisser comme ça mourir de faim. Non, ça c'est interdit. Mais si maintenant tu lui donnes quelque chose qui lui va mieux, ou là une femme qui veut l'allaiter à ta place, ou là, et tu la payes, ou là, tout ça c'est permis, inshallah ta'ala, naam. Tfadal, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense pour vos efforts, cher. Amin. Une sœur a perdu 2 de ses enfants. Ils sont morts-nés au bout de 4 mois de grossesse. Cela fait maintenant 1 mois. La sœur demande, est-il possible de donner un prénom et de faire salat janaza sur eux? Qu'Allah vous préserve. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Naam. Donc, ces 2 bébés, Allah yarhamhum, sont morts à l'âge de, après 4 mois de grossesse. Naam. Est-ce qu'il est permis de faire salat janaza sur eux ou pas? Et de leur donner des prénoms. Le prénom, on le donne quand l'enfant naît vivant. Naam. Quand l'enfant naît vivant. Voilà. Et on leur donne, on lui donne le bébé, ou bien le premier jour, quand il naît, ou bien la sunna c'est 1 semaine, le 7e jour, le 7e jour. Mais le messager d'Allah a eu un enfant, il l'a appelé Ibrahim, le jour où il est né. De là, on prie des savants qu'on peut donner un prénom le jour même où le garçon naît. La même chose, il l'a fait avec quelqu'un qui s'appelle Abu Moussa al-Ash'ari. Il lui a ramené un bébé qui était né le premier jour et il l'a appelé Ibrahim aussi. Il l'a appelé Ibrahim le premier jour. De là, les savants ont dit, si le prénom est déjà prêt, on peut lui donner le premier jour. Et si on veut, on a 1 semaine devant nous pour attendre de lui raser les cheveux, faire la aqiqa et lui donner un prénom le 7e jour. Maintenant, quand une femme accouche d'un enfant, on voit, est-ce que Allah Ta'ala a insufflé, naam, est-ce qu'il a insufflé à cette personne qui est morte, à ce bébé, son âme ou pas? Naam. Si on lui a insufflé son âme, ça s'appelle sirt. Dans ce cas, il est permis de quoi? De le laver, de faire la janaza. Comme il est permis de ne pas la faire. Il est permis de faire comme il est permis de ne pas la faire. Mais si jamais c'est juste quelque chose qui sort avant que Allah Ta'ala insuffle l'âme, c'est juste un morceau de chair comme ça, dans ce cas, naam, ce n'est pas un être vivant, on le prend juste, sans le laver, sans rien, et on le met, on l'enterre, c'est-à-dire, on l'enterre sous la terre. Quoi?
parce que yani, c'est juste un morceau de chair. D'ailleurs, il n'y a même pas peut-être des formes de l'être humain, ni encore moins l'âme, ni encore moins l'âme n'a été insufflée. C'est pour ça que donc la réponse maintenant, puisqu'il a été, ça fait un mois que ça s'est passé, donc puisque où est-ce qu'ils sont ceux-là, ça fait un mois, ils sont enterrés, si je comprends bien la question. Répondez-moi, barakallahu fikoum. Où est-ce qu'ils sont les deux bébés, là, ils sont enterrés maintenant? Pour les prénoms, j'ai dit que c'était trop tard. Le prénom, il faut qu'ils naissent vivants. Non. Où sont les personnes? Est-ce qu'ils sont enterrés? La sœur n'est pas... Taïb, ça fait un mois. Non, ça fait un mois qu'ils sont morts. Ils sont sûrement enterrés. Non. Maintenant, donc, c'est trop tard. Et ce n'est pas la peine de faire salat al-janaza. Non. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui, j'arrête. Je sens, inshallah ta'ala, que je suis un peu fatigué. Je vous rencontre, inshallah ta'ala, samedi avec la aqidah bi'idna azza wa jal. Naam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa tubu ilayk. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.